maneno. Nous sommes là avec notre message qui est l'homme. Tuko paka mujumbe etu mutu ni nani. Nous lisons Genèse 1, 26. Tunasoma kitabu kia mwanzo sura ya 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Et puis Genèse 2, verset 7. Kisha mwanzo sura yake ya pili mstari ya saba. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana kubariki. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Tout ce temps, nous sommes en train d'étudier qui est l'homme. I wakati yote tunajifunza muntu ni nani. Et nous avions vu déjà avec Fabranam na tayari na ndugu Branham tuliona que l'homme est venu à l'existence deux fois. Ya kwamba mutu aliumbiwa mara mbili. Il y a eu l'homme de Genèse 1. Kwa kwanza ule mutu wa mwanzo sura ya kwanza. Créé à l'image de Dieu. Ule aliumbiwa kwa picha ya Mungu. Et nous avons compris que être à l'image de Dieu. Tulielewa kwamba kuwa mwenye kumbiwa kwa picha ya Mungu. C'est un autre Dieu. Ni Mungu mwingine. Et c'est ce que l'homme l'a été. Na ndio kile ule mtu alikuwaka. Et l'homme de Genèse 2. Na huyu mtu wa mwanzo sura yake ya pili. C'est l'homme tiré de la poussière de la terre. Ni mtu ule alivutwa kumavumbi ya budongo. Pour que le tu veux le sol. Kwa ajili ya kulima budongo. Dans l'attitude qui est Dieu. Mu ali na Mungu ni nani? Au paragraphe 20. Mungu yake 20. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Kisha tutafanya ce deuxième homme. Uy mtu wa pili. Le premier homme. Ule mtu wa kwanza. Vous ne pouvez pas le voir. Amwezi kumuona. Il était esprit comme Dieu. Alikuwa kaho paka sa Mungu. Le deuxième homme. Uy mtu wa pili. Était un halo. Alikuwa ka halo. Ah, le même homme là. Paka ule mtu mwamwa ule. Il passe de l'esprit à un halo. Toka kuro anakuwa halo. Juste comme Dieu. Paka sa Mungu. Et maintenant, na sasa, il prend un troisième homme. Anachukua mtu wa tatu. Et le fait comme un petit nuage blanc. Na anamfanya kama kaliwingo kadoko keupe. Il passe de halo. Anatoka ku halo. Il devient un nuage. Anakuwa liwingo. Donc la le niwe la même qui amène Jésus. Maana yake ile wingo yenyewe ile kunamleta Yesu. Neke un type. Ni mufano tu. Parce que la vraie niwe c'est l'homme. Kwani wingo ya biakweri ni muntu. Yes. Ndio. La vraie niwe c'est l'homme. Wingo ya biakweri ni muntu. Quel est le rôle de la niwe? C'est le char de Dieu. Kazi ya wingo ni nini? Ni gari ya Mungu. Qui transporte Dieu partout. Ile kuna mupeleka Mungu pahali pote. Et Dieu n'est pas dans les nuages de Kiluminolibus là. Mungu ana muma wingo ya mvula hii hapana. Dieu est aujourd'hui dans les vrais nuages. Leo Mungu eko mu wingo ya biakweri. Les vrais nuages blancs c'est l'homme. Wingo ya biakweri mweupe ni muntu. C'est ça l'homme. Il est parti de l'esprit invisible. Il est devenu un halo. Une petite lumière blanche. C'est ça l'homme.
L'homme Mutu est allé dans le même processus que Dieu. Arienda mule mandamano moja moja na Mungu. De l'esprit à un halo. Kutoka kuro kwenda ku halo. De halo à un nuage blanc. Halo kwenda ku wingo mweupe. Il apparaît. Anaonekana. Nous pouvons le voir. Tunaweza kumuona. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui descend. Ule kona chuka. Il est un homme tout fait. Eko mbuntu mujima. Ça? I, c'est l'âme de l'homme. Ni nafsi ya muntu. Elle est donc éternelle. Iko basi ya milele. Un homme pareil n'a pas besoin d'un autre Saint-Esprit. Mutu wa hivi asina lazima Roho Mtakatifu ingine. Il est le Saint-Esprit. Ye mwenyewe ko Roho Mtakatifu. C'est l'âme. Ni nafsi. Pas la partie du corps. Apana sehemu ya mwili. Ça c'est autre chose. Hii ni kitu ingine. Mais l'homme la théophanie. Lakini ule mutu théophanie. Créé à l'image de Dieu, c'est ça même l'explication. Aliumbiwa kwa picha ya Mungu, kwa picha ya Mungu ndio mafasilio yenyewe hii. Donc il part dans le même processus que Dieu. Manake anapita mandamano moja moja na Mungu. Il était esprit. Alikuwa karo. Un instant de sa vie, il était invisible. Wakati moja hivi ya maisha yake hakukua tena naonekana. Et puis il est devenu visible. Na kisha kaanza kuonekana. L'homme. Muntu. Qui est l'homme? Muntu ni nani? La réponse c'est qui est Dieu? Jibu ni Mungu ni nani? Si tu veux savoir qui est l'homme, connaissez qui est Dieu. Kama unapenda kujua mtu ni nani, jua Mungu ni nani. Parce que quand Dieu place la création, wakati Mungu anatia maumbile, il établit tout sur certaines lois. Anatia biote pampango fulani. Déjà au début là dans la Genèse, Dieu a placé la loi de la reproduction. Kule kumwanzo tayari Mungu anatia ile sheria ya kuzalana. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que stipule la loi de la reproduction? Kwa mtu hapa anaweza kunielezea maana ya ile sheria ya kuzalana? Que chaque semence, asema kila mbeko, selon idizale son espèce, kulingana na hali yake. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni kweli? En semant les maïs, on ne peut pas récolter les riz. Mukupanda mindi awezi kuvuna mchele. Et Dieu na Mungu était une semence en récréation. Alikuwaka mbeko iko mumaumbaji. Créons l'homme à notre image. Tuumbe mutu kwa picha yetu. Qu'il soit à notre propre ressemblance. Akuye kwa ufananisho yetu. C'est la chute de l'homme ni kuanguka kwa mutu qui a donné l'inverse du tableau. Ndio kulibadilisha bintu. Au commencement, c'est l'homme qui est venu à l'image de Dieu. Kumwanzo ni mutu alikuwa kwa picha ya Mungu. La chute a amené maintenant Dieu à l'image de l'homme. Kuanguka kunamleta sasa Mungu anakuya kwa picha ya mtu. La seule manière à Dieu de ramener l'homme à son image. Namna moja tu ya Mungu kurudisha ule mtu kwa picha yake. C'était que Dieu vienne à l'image de l'homme. Ilikuwa ni Mungu akuye kwa picha ya mtu. Le parent rédempteur. Duku mkombozi. Un frère. Duku capable de délivrer un autre. Ule kona uwezo ya kukombola mwingine. Ce n'est que ça qui prend l'homme. Elle est ramenée à l'image de Dieu. Kwa picha ya Mungu. Et si je vous disais ce matin, na kama ya leo na kuelezea, vous êtes Dieu. Uko Mungu. Amen. Amina. Vous êtes Dieu. Uko Mungu. Mais il faut dire amen à ça. Si tu ne veux pas être Dieu, tu es Satan. Kama aupende kuwa Mungu uko Shetani.
Parce que le contraire de Dieu, c'est Satan. Dukinyume ya Mungu ni Shetani. Mais si tu es créé à l'image de Dieu, kama uliumbiwa kwa picha ya Mungu, tu es Dieu. Uko Mungu. Je veux entendre un amen. Ninapenda kushikia amina. Un jour, Frère Branham était à la pêche avec quelques frères qui l'accompagnaient. Et il y a eu le frère Lille qui a tiré un petit fretin. Et tous les intestins étaient dehors. Ça a fait mal à Frère Branham. Il est mambo, il mouma sana zaidi ndugu Branham. Et Lille était content, il dit petit poisson tu as eu. Na Lille alishika France, anasema ukaweka ndakala unakalamuka. Branham ça l'a fait mal. Lakini Branham yebili mouma kabisa. Il dit ça on ne peut même pas manger. Pourquoi le détruire? Aka ndakala kamoya, hautaweza hata ukakuri. Una kauya nini? Il a senti dans les bois un vent ouch. Alishikia mupori mule, sauti mwe unafanya ouch. Quelqu'un lui a dit, tu es toujours Dieu. Muntu alimweleza sima, uko paka Mungu. La voix a dit à Frère Branham, tu es toujours Dieu. Sauti ileleza Branham, uko paka Mungu. Et Frère Branham a pris les petits poissons. Nandu bama chukwa kale kandakala kale. Il dit petit poisson. Asima wenda kala. Je mi. Pronom personnel. Sema kulita nayo. Je mi. Te redonne. Nakupatia tena la vie. Uzima. Et les petits poissons ont sursauté. Nandakala ula kafufuka. Et ce matin, au travers de cette parole, kupitia hii neno, je veux que toi aussi tu écoutes la même voix. Napenda na wewe usikie sauti moja moja. Tu es toujours Dieu. Uko paka Mungu. Peu importe le problème. Aizuru mamambo. Peu importe la situation. Aizuru majambo. Laisse-moi ajouter. Acha nyongeze. Même si ces problèmes te trouvent à n'importe quel état. Ataka mele mambo inakutanisha muali gani yoyote. Tu es toujours Dieu. Uko paka Mungu. Tu peux prononcer la parole. Unaweza kutangaza neno. Et les choses vont changer. Na bintu bitabadirika. Quelqu'un dit amen à ça? Sema amina. Tu es Dieu. Uko Mungu. Et tu le seras toujours. Na utakuwa paka Mungu. La Bible dit. Biblia nasema. Vous êtes de Dieu. Muko ba Mungu. Mais vous mourrez comme des hommes. Walakini muku nakufwa sabantu. Pourtant vous êtes de Dieu. Ile wakati muko ba Mungu. Qui est Dieu? Mungu ni nani? Nani yako Mungu hapa? L'âme. Nafsi. A moins que tu manques l'âme. Ni paka kama unakosa nafsi. Il continue. Anaendelea. Après que cet homme y péché, il a gâché cette âme. Kisha ule mtu kutenda dhambi, aliharibisha ile nafsi. Les ténèbres, mangiza, l'obscurité, giza kubwa, y est entré. Ikaingia mondani. Alors Dieu est descendu. Pale Mungu sasa akachuka. Il a vécu dans l'homme. Akaishi ndani ya mtu. Il a souffert avec l'homme. Aliteswa pamoja na mtu. Et il a racheté l'homme. Na akamkomboa ule mtu. Et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Entre dans l'homme. Anaingia ndani ya mtu. Et ôte de lui cette obscurité et le péché. Na anaondoa ndani ya ule mtu ile ngiza na dhambi. Et il le ramène dans une communion parfaite. Anamrudisha ule mtu mushirika kamilifu. Une partie de Dieu. Sehemu ya Mungu.
Est-ce que vous avez compris ça? Laisse-moi vous expliquer. J'étais en train de dire dans la semaine que quand le péché est venu, cette sainte image de Dieu a disparu. C'est comme ça que l'homme est entré dans les ténèbres. Il a traversé cet abîme. Il a traversé cet abîme. Il a quitté cet état. Il a quitté cet état. La théophanie. Le retour, hein? Il a quitté l'état de la théophanie. Il est resté seulement l'homme de la chair. Vous suivez là-bas? Il est resté l'homme de la chair. La procréation a continué à produire les hommes chers. Kuzala na kaendelea na kuzala batu ba mwili tu ya mnofu. Pas la théophanie. Apana théophanie haikudizidisha pana. Alors l'homme dans cet état a besoin du Saint-Esprit. Asa huyu mtu wa ali eko na lazima ya Roho Mtakatifu. Suivez-moi très bien. Unifate kwa makini. Et quand le Saint-Esprit vient entrer dans cet homme na, par la nouvelle naissance. Wakati Roho Mtakatifu anakuja anaingia ndani na huyu mtu kupitia kuzalika mara ya pili. Le but c'est de ramener cet homme à la communion parfaite du commencement. Kifukuzio ni kurudisha huyu mtu ku ile ushirika kamili ya kumwanjo. C'est pourquoi? Kwa maana quand on est né de nouveau, wakati unazalika mara ya pili, comme un petit bouton, kama vile ka bouton kadoko, la vie de Dieu Zoé, il est uzima ya Mungu Zoé, entre ici, inaingia humu ndani, comme un petit bouton, kama vile ka bouton kadoko, si tu es prédestiné à la restauration, kama ulisha tarishiwa mkurudishwa. Et le Saint-Esprit dans l'âme, écoutez-moi très bien, na Roho Mtakatifu munafsi unisikie kwa makini, c'est seulement pour les gens du message. Iko tu kwa ajili ya watu wanaamini ujumbe. Laissez les gens rétrograder, commencer à croire n'importe quoi, diminuer la valeur du message parce qu'ils veulent être pareils au dénominationnel. Mwache watu wapungukiwe waamini aizuru nini. Wadione pamoja na watu wa kidhehebu. Mais vous gardez le message. Walakini mwe mchunge paka ujumbe. Si le message c'était pour nous garder pareil, William Branham ne serait pas venu. Kama ujumbe ilikuwa tu njoo kutuchunga tukwe pamoja nabo, William Branham angalipasha kuya. Et quand il a rencontré les gens à la sixième dimension, ils lui ont dit, notre précieux frère. Wakati alikutanishana na watu mwile cheo ya sita, walimwelezea nduku yetu wa damani. Si tu n'étais pas venu avec le message, kama aukuku yake na hii ujumbe, nous ne serons pas arrivés ici. Jeya tukupashe kufika uku. Et je te dis, sans le message de Branham, personne n'arrivera au ciel. Na mimi nakuelezea bila ujumbe wa Branham, hata mmoja hatafika mbinguni. Ils seront peut-être sauvés. Sa ingine bataokolewa. Après la tribulation. Kisha mateso kubwa. Mais pas au ciel. Walakini mbinguni amna. Il faut garder le message pur. Inapasha kuchunga ujumbe safi. Pour les besoins de la cause, les gens commencent à faire des compromis. Kwa ajili ya kupata tu kidoko, watu wanaanza kuchipisha neno. C'est possible que le Saint-Esprit, comme baptême, vienne seulement au niveau de l'esprit. Inawezekana Roho Mtakatifu sa vile ubatizo ikwe tu mkipande ya roho, ou au niveau du corps, wala mkipande ya mwili. Et ça vous donne des dons de l'esprit. Na inamipatia vipa
Vous vous réjouissez. Et vous manifestez des dons. Comme Judas Iscariot. Et à la fin. Aller en enfer. Branham a dit, Branham alisema, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Unaweza kuwa na ubatizo ya Roho Mtakatifu na kumwisho naenda mu gena. Les Pentecôtistes sont le baptême du Saint-Esprit, je dis amen. Bampenta be ko na ubatizo wa Roho Mtakatifu mina sema amina. Ils l'ont dans quelle sphère? Weko nayo muki pande kani. Parce que l'homme habite une maison à trois pieds. Du muntu eko naishi mu nyumba ya bipande tatu. La vie uzima se crée dans la troisième partie. Iko na umbiwa mwile kipande ya tatu. La chambre chumba ya kularia. C'est de là qu'il y a la vie. Ni mule njo muko uzima. Pas dans la salle de séjour. Apana musebule. Pas à la salle à manger. Apana muchumba ya kulia. Maintenant, ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit dans l'âme. Asa bale bebo na pokea Rome takatifu munafsi. Zoe. Zoe. La vie de Dieu. Il est uzima ya Mungu. Lui-même. Ye mwenyewe. Pénètre dans l'âme. Il va commencer à grandir avec sa nourriture. Et quand il grandit, c'est ça la stature d'un homme parfait. Il grandit parole sur parole. Et qu'on a commis un neno paneno, neno paneno. Frère Branham a dit. Si tu es dans une assemblée du message, on ne dit pas Frère Branham a dit, on ne prêche pas le message. Kama uko mujumbe amakani na abasima nduba mana sema manaki abaubiri ujumbe. Parce que prêcher le message dans un âge. Jukubiri ujumbe mukizazi. C'est de répéter ce que les prophètes majeurs ont dit. Nikurudiriri akile ule nabim kubwa alisema. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, il est dit kwa mana matendo ba mitume banasema chaque jour de sabbat dans les synagogues, kila siku ya sabato ma synagogi, il prêchait Moïse, balikuwa na ubiri Musa, il lisait Moïse, balikuwa banasoma Musa, comme El Rash chaque dimanche, baka vile El Rash kila Jumapili, il lit Branham, yeko nasoma Branham, et il prêche Branham, na yeko na ubiri Branham. Branham a dit, 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 l'homme là oule mutule est en train de grandir. Ananja kwenda na kukomea. Il grandit. Anakomea. Il grandit. Anakomea. C'est tout un homme. Ni muntu mujima. Parce que kwani nos théophanies sont retournées dans les sept sceaux. Ma théophanie yetu irudia mumuri wa saba. Les maisons que Jésus est allé préparer, il est descendu avec ça dans Apocalypse 10. Ile manyumba Yesu alendaka kutujengea alichuka nayo mufunuo 10. Dans la maison de mon père il y a plusieurs munyumba baba yangu muko makao mingi. C'est-à-dire un corps. Mana yake mwili. Une théophanie. Théophanie. Là où je serai. Fasile mitakuya. Vous serez aussi. Na mwe mutakuya hapo. Abraham dit cela veut dire. Mama sema ile mana yake. Nous aurons un corps semblable à lui. Tutakuwa na mwili ya kufanana na mwili yake. Un corps qui disparaît. Mwili ile kuna potea. Un corps qui apparaît. Mwili yako naonekana. La théophanie. Théophanie. C'est pourquoi quand vous mangez le message. Wakati kunakula ujumbe. Deso. Miuri. Mathiri. C'est ta théophanie qui est en train de se composer. Ni théophanie yako konende la kutungiwa. Ce petit bouton va devenir un homme. Aga ka bouton kaloko katakuya muntu mujima. Stature d'un homme. Kipimo kya muntu mukamili. Qui est-il? Ni nani huyu? Un tabernacle. Ni maskani. Un lieu. Ni fasi. Makao. Il dit c'est ce que nous sommes venus construire. Njo ii tulikuya kujenga. Les individus. Batu binafsi. Qui sont arrivés à la stature. Bale banafikia kukipimo. De Christ. Ya Christo. Et la Bible dit. Na Bible nasema. Avec ses vertus. Na ima fadhili. Vous devenez participants. Unakuya mwana mshiriki. De la nature divine. Wa
Athili ya bumungu. Et quand tu es complet, na wakati unaeneana, tu deviens toi-même le Saint-Esprit. We mwenyewe unakuya Roho Mtakatifu. Comme c'était au commencement. Paka vile bilikuwa kule mwanzo. Et c'est dans cet état-là que se trouve Frère Branham maintenant. Na ni mwile ali ile njo mnapatikana ndugu Branham hapa sasa. Il a déjà une théophanie coiffée. Eko la théophanie a lieu au la kofia. Il est devenu le Saint-Esprit. Alisha kuwa Rome takatifu. Comme l'homme était. Paka vile mutu alikuwa ka. Et si Branham est la gerbe agitée, Nakama Branham ye ni malimbuko, c'est ça le chemin. Il est njonjia. De vous apporter la parole, parole. Yakobi lete a neno, neno, neno. Pour que toi aussi, juna weye pia, tu redeviennes à l'image de Dieu. Upate kurudia kuile picha ya Mungu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui peut dire amen? Sema amina. Amen. Amen. Il continue. Anaendelea. Il dit nous devenons des fils et des filles de Dieu. Asema tunakuya wana na wabinti wa Mungu. Qui est Dieu? Mungu ni nani? C'est celui qui s'est tenu là. Ni ule arishimamaka pale. Et qui a de ses mains sont sorties les étoiles. Na ule mumikono yake muritoka manyota. Eh, frère Branham. Eh, ndugu Branham. Qui va nous tuer? Utatua sasa. Donc les étoiles sont sorties de ses mains. Manake manyota ritoka ni mumikono yake. Et ça a mené des mondes à l'existence. Na il est à dunia ikueko. Et il a fait des choses invisibles. Na alifanya bitu bisio onekana. La divinité. Bumungu. Yeah. Les choses invisibles. Bitu bisio onekana. C'est la divinité. Ni bumungu. L'homme créé était la divinité. Ule mutu alio umbiwa alikuwa kabumungu. Comme Dieu. Paka sa Mungu. Et il était invisible. Na alikuwa sipo kuonekana. My God. Hey, Mungu wangu. Si ce matin. Kama subuhi ya leo. Dieu te donne la divinité. Mungu anakupatia bumungu. Tu as les choses invisibles. Uko na bitu bia sipo kuonekana. Et ce sont les invisibles qui sont les réels. Na ni bile bia sipo konekana njo biko bia kweri. Ce corps n'est pas réel. I mwili haiko ya bia kweri. Mais les moi que vous ne voyez pas. Uyu mie uyu amonake. C'est ça les réels. Njo wa bia kweri. My God. Hey, Mungu wangu. Les invisibles sont les réels. Bia sipo konekana njo bia kweri. Et les invisibles c'est la divinité. Na bia sipo konekana ni umungu. Et c'est ça la foi. Na ile njo imani. La foi. Imani. Est résumée. Inafupishwa. Par la kupitia umungu. Si tu as la divinité, kama uko umungu, tu peux appeler, unaweza kuita, les choses, bintu, venant de l'invisible, yenye kutoka kwa sipoko onekana. Et je dis amen à ça. Na mina sema amina kuile. Je dis amen très très fort. Mina sema amina nguvu sana zaidi. Un frère m'a offert cette veste. Ndugu moya alinitolea inkochi. Dans l'invisible, mule mwasipo konekana, il voit déjà une galerie de la vente des vestes. Aisha kuona sema mie nitakuya na duga kubwa ya kuuza makoti. Et il dit c'est pourquoi je commence à te donner d'abord cette veste. Asanjo kwa maana mimi naanzia hapo kukupatia inkochi. Et il l'a déjà. Na tayari alisha ipata. Il l'a déjà. Alisha ipata. Et comme Frère Branham m'avait dit à cette dame-là, tu me vendras encore des bonbons. Na parabile ndu bana malonezia kaule muki asema utaniuzisha tena maswiti. Toi tu me donneras encore des vestes. We mina kuelezea utanipatia tena mankochi na mankochi. J'appelle cette galerie de l'invisible. Mina ita ile duka mule mulimwengu asipo kuonekana.
L'onction qui a créé la terre est ici. Ce matin, tu n'as qu'appelé de l'invisible. Tout ce dont tu as besoin. C'est ça l'homme. Et Satan est toujours à côté. Douter. Bisha. Si Dieu le veut, en décembre, on fera mal à Satan. Je vais prendre quelques personnes qui vont témoigner de ce que Dieu a fait pour eux depuis que je suis là. Kama Mungu anapenda tutamumisha shetani ro mumwezi wa 12 tabeba batu chache bataka kushuhudia tangia mie niko hapa. Ce que Dieu a fait pour eux. Pile Mungu alibafanishia. J'ai dit taisez les témoignages. I mambo mbele mweke mbele kumpembeni. Tukale kimya mbele. Allons-y d'abord. Tuendelee kwanja. Que ça se multiplie d'abord. Mbele biongezeke biale biale kwanja. Et peut-être toi c'est aujourd'hui. Na sangire turi yako wewe ni leo. Je le dis peut-être toi. Mimi nasema sangine wewe ni leo. Qui est l'homme? Muntu ni nani? Il est la divinité. Yako umungu. Et Satan na shetani ne peut pas te mentir. Awezi kukudanganya. Pour te montrer tes fautes. Kwa ajili ya kuonesha makosa yako. Regardez. Angalia. Toi tu n'es pas à ce niveau là. Oui, on a mouillé qui pimo il est. Parce que tu as fait. Tu Jouer fait. Angara mambo rifanya angara dit ne le croyez Brahma pas. Brahma usimwamini shetani. Dis lui. Mueleze. Mes erreurs c'est entre moi et papa. Mankosa yangu. Tutaishana na baba yangu. Mais. Kwa lakini. M'appelez moi pour le mouiller parce que j'ai les erreurs. Je te dis non. Kunita mie kanku kakuloba na njidu kuna mankosa. Mina kwa leze apana. Brahma dit ne le croyez pas. Ramasima ushi mwamini. La divinité n'est pas au ciel. Bumungu buna mbinguni. La divinité est en vous. Bumungu bukondani yako. Il peut dire amen. Sema amina. Hey. Je me sens religieux. Nadisikia wakidini. C'est comme si l'espace est petit. Inaonekana saka kafwasha hapa kana wakaloko. J'ai envie de sauter de. Nikona amu ya kuluka. Mais je retiens l'onction. Lakini nasichunga mzuri upako. Branama dit. Ce qui est en vous peut créer des mondes. Ile kondani yako inaweza kuumba madunia. Ça peut créer quoi? Inaweza kuumba nini? Des mondes. Madunia. Chacun de vous peut créer son kila monde. Mmoja anaweza kuumba dunia yake. Ce qu'il veut. Kila anapenda. Ce qu'il pense. Kila anafikiri. Comment il veut que les choses soient. Namna gani anapenda bitu biwe. Cela est en toi. Il est kondani yako. Mais ce pouvoir. Kwa lakini ile uwezo. Est retenu par une loi. Inashikwa na sheria fulani. Yes. Dio. Ah, les invisibles, c'est la divinité. Bien si pour kuonekana ni umungu. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Na umungu yo yenyewe iko naishi ndani ya muntu. Le créateur. Mumbaji. Qui a créé les cieux et la terre. Mwenye aliumba mbingu na dunia. Habite dans les hommes. Iko naishi ndani ya batu. Quand on dit les hommes, là c'est tous. Wakati pe konasema bantu ni bote. Hommes et femmes. Naba na muke, naba na ume. Si Dieu est en pantalon, kama Mungu eko msuruali, Dieu est en pagne. E Mungu eko mukikwembe. Dieu est aussi en robe. Mungu eko pia mukanjo. Dieu est aussi en jupe. Mungu eko pia mujipe. Les frères ne doivent pas vous décourager pour vous dire que vous êtes un sous-produit. Banduka ba pasha ko mipoteza moyo mwelezasima mweye ngo kitu kilitokea kwa mwanaume. Dis lui. Mweleze. Je suis sous-produit par rapport au corps. Ni tokea kwa mwanaume kulingana na mwili. Mais par rapport à l'âme. Mukulingana na nafsi. Nous sommes créés. Tuliumbiwa. À l'image de Dieu. Kwa picha ya Mungu. Parce que cet homme-là à l'image était double. Kwani ule mtu aliumbiwa kwa picha ya Mungu alikuwa maradufu. Il était homme, il était femme. Alikuwa mwanamke, alikuwa mwanaume. Qui peut dire amen? Sema amina. Il y a des femmes ici. Apa kuko wake. Qui connaissent la parole. Wale wanajua neno.
Si l'homme tu fais daf. Kama we mume au kebeange. Elle peut te fermer la bouche. Je vous dis ce qui est vrai ici. Il y a des femmes qui connaissent la parole. Si le message avait permis. Les sœurs la prêcheraient plus que beaucoup de pasteurs que je vois. Heureusement, la femme ne doit pas prêcher. Mais elle peut témoigner. Il y a des femmes ici qui connaissent des citations. Peut-être dit frère Branham, tu voudras peut-être montrer seulement que je suis un homme. Il faut connaître la parole. Il n'a pas choix kujua neno. C'est l'âge de la connaissance. Ni kizazi kia ujuzi. Je prends un peu la Bible dans Ephésiens 3. Nachukua kwanza Biblia mwa Efeso sura yake ya 3. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. Kuanzia mstari yake ya 16, Biblia inasema hivi. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Ili amipatie kufuatana na utajiri ya utukufu yake. D'être puissamment fortifié par son esprit. Kuwa na nguvu iliyoletwa na roho yake. Dans l'homme intérieur. Ndani ya ule mtu wa ndani. En sorte que Christ. Mnamna ya kusema Kristo. Habite dans vos cœurs. Aketi wala aishi mumio yenu. Par la foi. Kwa imani. Afin que étant enraciné. Ili upate kuwa mwenye kuota mizizi. Et fondé dans l'amour. Na mwenye kujengewa ndani ya mapendo. Vous puissiez comprendre. Upate kuelewa. Avec tous les saints. Na batakatifu bote. Quelle est la largeur. Burefu ya mbufu pi. La longueur, ya muburefu, la profondeur, ya upana, la hauteur, ya uketo, et connaître l'amour de Christ, na kujua ile mapendo ya Christo, qui surpasse toutes connaissances, yenye inapitia kabisa ujuzi yote, en sorte que namna kusema, vous soyez remplis, mupate kujaziwa, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, paka na kutele yote ya Mungu. Car Dieu a voulu wani Mungu alipenda que toute la plénitude utele yote habita en lui. Iliishi ndani yake. Frère, Nduku, la Bible parle de la plénitude en vous. Biblia inasema utele ya umungu ndani yako. Si on peut sonder la hauteur, kama tunaweza kuchunguza uketo, la longueur, urefu, la largeur, ufupi, la profondeur, upana. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Ini neno ya Mungu. Il est haut, il est profond, il est mrefu, eko mpana, eko mrefu. Et cette grandeur. Na ile ukubwa yote ile. Ça exprime Christ. Iku na muonekanisha Kristo. Et si nous pouvons sonder la hauteur de la nuit. Na kama tunaweza kuchunguza upana uketo wa wingo, sa grandeur, unene yake, ça avait 40 km sur 43 km. Il courait na kilometa 48 mu kilometa 43. Cette nuée que vous voyez, i wingo i mkunaona hapa, et ça exprime la plénitude. Ikunaonesha utele, et tout ça peut entrer dans un homme. Voilà la grandeur de Dieu. Ile wingo yote na bunene yake yote ile inaweza kuingia ndani ya mtu. Mwangalieni ile ndio bunene ya Mungu. La grandeur de Dieu. Ukubwa wa Mungu. Un truc de 43 km sur 48. Kitu ya kilometa 48 pa 43. Mais ça peut venir te confiner dans un top dans un petit homme. Inaenda kuingia ndani ya mtu mmoja tu. Ah, il faut la foi. Inapasha paka imani. Pour accepter de telles folies. Vous aimez frère Branham? Branham? Vous croyez à ces déclarations? Vous dites amen à tout ce que le prophète a dit? Munasema amina kumaneno yote le nabia alisema.
Dis à ton ami, le vol a des trous d'air maintenant là. Serre ta ceinture de la foi. Mweleze rafiki yako sasa tulisha panda funga mkaba yako ya imani. Mais l'atterrissage sera en douceur. Walakini kuchuka tutatelemuka tu mupole yote. On traverse une zone vertigineuse. Hapa tukuna pita mufasi mweta tupatia kijungu jungu. Demande à ton ami qui est l'homme. Umweleze rafiki yako mutu ni nani. Je lis d'abord l'amnésie spirituelle. Kwanza na sabu usaulifu ya kiroho. Au paragraphe 53, frère Branham dit. Kifungu yake 53 ndugu Branham anasema hivi. Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Munapasha kuwa wana na wabinti wa Mungu. Vous devez naître de Dieu. Munapasha kuzalika na Mungu. Et Dieu, il est la parole. Na Mungu njo neno. Lorsque je suis devenu une partie de mon père, wakati nilikuwaka sehemu ya baba yangu, je suis devenu tout mon père. Nikakuwa baba yangu yote mzima. Lorsque vous devenez, wakati unakuwa, une partie de Dieu, sehemu ya Mungu, vous devenez Dieu dans la plénitude. Unakuwa Mungu mutele yake yote. Dans la totalité de sa parole. Mutele ya neno yake yote. Vous la croyez dans toute son entièreté. Unamini ile neno mumaupana yake yote. L'amnésie spirituelle. Usaulifu ya kiroho. Ce n'est pas accepté ça. Ni kukatala kuichika hii andiko. Là ça va encore. Hapa mchingarikina pita. Mais si je remplace X par sa valeur, ça devient un peu pimenté. Kila kintu parfois chiakyo, yuksa ni tupiripiri mina ungezamu. Quand vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans la plénitude. C'est amen parce que ça nous concerne tous. Kama unakuwa sehemu ya Mungu, unakuwa Mungu muutele. Unechika amina, njui mambo inatuangaria, shebote. Mais remplaçons X maintenant. Sasa toye kila kintu parfois chiakyo. Branham étant une partie de Dieu, Branham est Dieu dans la plénitude. Branham, yes, avile sehemu ya Mungu. Branham, ni Mungu mutele yake yote. Non, toi surveille seulement à côté de toi. Weye angarisha tu kumpembeni yako. Branham nous a dit quand la révélation n'entre pas, ça se montre au visage. Wakati ufunuo aingie, tutayonea kunsula yako. Surveille juste à côté mais ne dis rien. Angalia tu kumpembeni yako, usiseme kintu. William Branham étant une partie de Dieu. Vile eko sehemu ya Mungu. William Branham. Mana yake William Branham est Dieu dans la plénitude. Ni Mungu mu utele yake yote. Moi j'observe seulement des visages. Mais loangru na ngarapa kumansula ya bantu. Je dis rien. Kisha shiseme kitu. Vous voyez? Shimunaona. Quand la parole concerne tout le monde, wakati neno inangalia bantu bote. Ah, ça c'est la vérité. Ah, hii ni ukweli. Ça c'est la vérité. Hii ni ukweli. Mais quand on veut montrer la gerbe agitée, wakati napasha kuonesha malimbuko iliyotingizwa, c'est des problèmes. Bale na kwa mambo. Ah non, vous voyez. Hapana munaona. Il aime trop élever Branham. Anapendaka sana kumpanda Branham. Il aime trop citer Branham. Anapendaka sana kumtaya Branham. Je vais te citer toi. Wewe unapenda nikutaye wewe. C'est toi le messager? Wewe ndio mjumbe pale unapenda nikutaye. Avant d'arriver à toi, c'est d'abord la gerbe agite. Mbele ya kufikia kwako, mbele ni malimbuko iliyotingizwa. Et la loi de la gerbe agitée. Na ile sheria ya malimbuko iliyotingizwa. Il a été dit. Balisemaka. Si votre gerbe. Kama limbuko yako. Que vous agitez. Ile kuna tingiza. Est agréé. Inakubaliwa. Toi aussi. Na wewe pia. Tu es agréé. Kubaliwa. Qui peut dire alléluia? Sema alléluia. Et je vous pose la question. Na mina kuliza. Je vous pose la question. Mina kuliza. Est-ce que frère Branham est agréé? Eti ndugu Branham anakubaliwa? Oui. Ndio. Alors? Kumbi. Ne
N'ayez pas peur ni honte d'agiter cette jarre. Ushikwe na boka wala na aya ya kutingiza ile malimbuko. Parce que au même moment, kwani mwakati moya moya ile, toi aussi, na weye pia, malgré tes erreurs, aizuru mankosa yako, malgré tes fautes, aizuru maukosefu yako, malgré tes manquements, aizuru maukosefu yako. Dieu ne compte pas sur toi. Mungu ashangalie makosa yako. Il te compte. Kuhesabia, sur la gerbe ile malimbuko iliyotingizwa ilishakubaliwa. Bon, ndio ça simple akanika kizunguzungu kakaloko. Prenons maintenant les conférences tu bebe sasa mutanguso. Les conférences. Mutanguso. Ici. Apa. Je sais que certains ne diront pas amen. Mina yua sema baminga. Abata sema amen. Mais soyez quand même là, on a besoin de vous. Kwa lakini kuwa apaka apa. Tuna lazima ukuwe potu. Les conférences. Mutanguso. Paragraphe 97. Kifungu ya katisini na saba. Il a prêché ça le 8 juin 63. Alubiri yo mutare ya nane mwenzi wa sita mwaka wa sitini na tatu. 4 mois après l'ouverture de Sceaux. Miezi ine kisha ufungulivu wa miuri. Paragraphe 97. Kifungu ya katisini na saba. Serre bien votre ceinture de la foi. Funga mzuri mkaba yako ya imani. Qu'est-ce? Nini. Qu'est-ce, frère? Nini il est nduku. Un tas d'absurdité. Kikunji abitu ya ovyo. Dieu. Mungu. Doit avoir un certain standard. Anapasha kwa na standard fulani. Et j'appelle ça la divinité standard. Na ile mina ita umungu standard. Si? Passe. Et qu'on a pita pali pote. Si tu as un téléphone codé qui mettra que Vodacom, kama uko na simu ili balisha funga utatia mpaka mtandao hii moya. Ou bien c'est codé à Orange. Wala walisha kuifungia kwa Orange wala kwa Vodacom. Mais il y a des téléphones standard. Lakini kuko simu ile inakubali mitandao zote. C'est ça Dieu. Ulenjo Mungu. Il est la rivière qui coule. Eko muto ile kona tiririka. La même rive. Ile pwani moja moja. Pris la forme de Jésus. Inachukua sula ya Yesu. Au commencement. Kule mwanjo. Mais au temps du soir. Lakini kwa wakati wa mangaribi. Comme c'est standard. Vile kuna chukua yote. Il prend la forme d'un Américain. Inachukua sula ya mwanamerika. Et ce matin. Na asubuhi ya leo. Il a la forme d'un Éphésien. Eko na sula ya muefeso. Et là où vous êtes. Na pale wiko. Il a votre forme. Eko na sula yako. La divinité. Standard. Bumungu kwa mtandao zote. Hey. Yes. Ndiyo. Hey. Écoutez. Sikiliza. Si je devais me joindre à une église. Kama nilipasha kudiunga kanisa fulani. À laquelle vais-je me joindre? Basi ni kanisa gani ile mita diunga? Il y en a qu'une seule. Kuko tu kanisa hii moja. Et on ne s'y joint pas. Na kuile kanisa abari unga keko. Je suis dans la famille Branham. Mie niko mfamilia ya Branham. Depuis 54 ans. Tangia miaka amsini na ine. Et je ne me suis jamais joint à cette famille. Walakini si ya rila matishaka kuile familia. Je suis né un Branham. Mie nirizari kataya ya Branham. Je suis un Branham. Niko Branham. Parce que mon père. Ju baba yangu. C'est un Branham. Ni Branham. Je suis un chrétien. Ni comme Christo. Parce que mon père est Dieu. Kwani baba yangu ni Mungu. Et frère Branham dit amen. Nandu bama sema amina. Nous sommes des chrétiens sur cette base là. Tuko ba Christo pa ile msingi ile. Nous sommes des chrétiens. Tuko ba Christo. Nous sommes nés de son esprit. Tulizalika na roho yake.
Et l'esprit de mon père. Na ile ro ya baba yangu. Étant en moi. Vile tui kondani yangu. J'ai les attributs de Dieu en moi. Niko na ile masifa yote ya Mungu ndani yangu. Écoutez, ce n'est pas fini. Sikiliza ya maliza. Et il se manifeste comme ils se sont manifestés dans son fils Jésus-Christ. Na ekona dionekanisha ndani yangu paka vile baridionekanisha ndani ya mwana yake Yesu Kristo. Il demande, vous y êtes? Anauliza, munaelewa? Il ajoute, anongeza, sur cette pierre, pairibwe, je bâtirai mon église. Tajenge hapo kanisa yangu. Amen. Ça c'est grave. Ini matata. Boalu. Mambo. Boadikem. Ya matata. L'esprit. Il est ro. De Dieu. Ya Mungu. En moi, Branham. Ndani yangu miye Branham. Ce n'est pas El Rash qui a écrit ça. Aina El Rash ndio aliandika ile. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Traduit par les meilleurs traducteurs. Bali tafsiri kwa watafsiri bora zaidi. L'esprit de Dieu en moi, Branham. Roya Mungu ndani yangu mie Branham. J'ai les attributs de Dieu en moi. Niko na ile masifa wala makazi za Mungu ndani yangu mie Branham. Même moi-même les premiers jours j'avais lu ça, je secoué la tête. Atami mwenyewe siku ya kwanza pale nilisoma nilibisha kwanza kilofu. Écoutez, nasikiliza. Il dit ses attributs en moi se manifestent comme ils se sont manifestés dans son fils Jésus. Asema ile masifa ndani yangu ikuna jionekanisha paka vile jionekanisha ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut citer? Vous êtes prêts? Eti muko tayari ya kutaya ile masifa yake yote. Est-ce que vous êtes prêts? Muko tayari. Jésus sauveur. Yesu mokozi. Branham sauveur. Branham mokozi. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Dio. Jésus. Yesu. Rédempteur. Mukombozi. Branham. Branham. Rédempteur. Mukombozi. Hey. 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 Hey! Vous croyez ça? Mon ami vilain. Ou bien? Ah, au basi. Ou bien? Ah, au basi. Parce que Frère Branham me dit. Jundu bama nasema. Le pasteur et l'église. Muchungaji na kanisa. Peuvent aussi s'entendre. Banaweza pia kubaliana. Sur les choses à prêcher à croire. Pa bintu bia kubiri na kuamini. Ou bien entendons-nous? Ah, au basi tukubaliana. Que nous attendons que cette église asema, nous retranchons cette citation du message. Che savile kanisa tunapunguza hii andiko ya ujumbe. Ah? Eh? Hey. Comme paka vile, paka vile. Comparatif d'égalité. Kulinganisha kwa kipimo moya paka vile. Paka vile. Paka vile. Yes! Dio! La citation elle est là. Andiko yeye ile ko pale. Les attributs de Dieu. Ile masifa za Mungu wala makazi za Mungu. Sifa Branham. Kama ndugu Branham. C'était seulement arrêté à dire que alishimamia tu kusema. Les attributs de Dieu en moi. Niko na makazi za Mungu ndani yangu. Ça allait être un peu facile. Iliweza kuyako teketeke. Mais il ajoute. Kwa lakini anaongezea hapo. Les attributs. Asema ile makazi zile. Se manifeste. Iko naonekana. Comme. Paka vile. Ça a été manifesté. Ilionekanaka. Dans son fils.
Christ, Jésus Christ. Dis à ton ami, même si c'est difficile, avalez. Avalez. C'est ça l'onction. Joe Pakoi. Je crois. Je crois. Branham m'a sauvé. Branham Arinyokoa. Je crois. Branham m'a racheté. Branham Alinikomboa. Je crois. Branham m'a délivré. Branham Alinyokoa. Avec ce message. Na iujumbe. C'est la vérité. Ni ukweli. C'est la vérité. Ni ukweli. God. Ijap. Croyez-vous à Dieu standard? Mon ami, Mungu akukubali mtandao zote. Et ce matin. Na asubuhi ya leo. El Rash vous sauve. El Rash anamiokoa. El Rash vous rachète. El Rash anamiokoa. El Rash vous délivre. El Rash anamikomboa. C'est ça l'homme, hein? Jo muntu huyu. Qui est l'homme? Muntu ni nani? Qui est Dieu? Mungu ni nani? L'homme c'est Dieu. Muntu ni Mungu. Et Dieu c'est na Mungu ni muntu. Qui va dire alléluia? Alléluia. Oh my. Hey my. Voilà. Tazama. Voilà. Tazama. Petit, musifanye compromis. Il ne faut pas faire les compromis. Salem, hein? Salem. Pas de compromis. Il ne faut pas compromettre. Vous venez de l'école de El Rash. Mukuna toka kusule ya El Rash. Quand vous prêchez. Wakati mukona ubiri. Son. Muririo. Son. Muririo. Que les gens écoutent le son. Bashikie muririo. Ah oui. Ah. Il vient de cette école. Ah baba la tokia kushule ya El Rash. Pas de compromis. Apana bia kuchipisha neno. Argent ou pas argent. Pesa ikue wala pana. Travail ou pas travail. Kazi iko wala pana. Le message. Ujumbe. 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 Oh. Na kendali felo pona makama pamba. Nyende mugena njua bintu bia ovyo ovyo. Les choses de ce corps. Des choses de ce corps. Bintu bia imwili. Des choses passagères. Bintu bia muda. Toi. Oui. Le message. Ujumbe. Un fils de Dieu. Mwana wa Mungu. C'est un autre Dieu. Ni Mungu mwingine. La seule chose. Kintu kimoja. Que le père ne donne pas. Kile baba akabule mtu mwingine. C'est l'adoration. Ni kuabudu. Kuabudu. C'est la seule chose. Joking to Kimoya. Et ce matin, je suis en train de te montrer. Nikuna Konesha. Que dans cet âge, Asima Mugi Kizazi. Le seul lieu où on a adoré Dieu, c'est Frère Branham. Fasi Moya, il est Bayabudu Mungu, Ninduku Branham. Avant que ça vienne en toi, mbele ikue ndani yako, commencez d'abord à accepter ça. Anzia po kukubali ii. Dans cet âge, mwiki kizazi, on a adoré Dieu. Bari mwabudu Mungu. Dans Ndania. William. William. Marion. Marion. Branham. Branham. C'est le pardon des péchés. Il est Njo Usamaya Madambi. C'est la vie éternelle. Il est ni Uzima Yamilele. Jeune frère. Waviviana. Prédicateur. Baubiri. Vous qui avez trouvé grâce que je sois votre pasteur. Mwebale mulipata nema niwe mchungaji wenu. Ici ou à Kisangani ou partout. Apa, wala Kisangani, wala pali pote.
Quand je regarde la troisième génération, je pleure. Wakati natazama kizazi ya tatu niko nalia. Et je prie beaucoup pour vous. Na niko na miombea zaidi. Vous allez comprendre dans les années à venir pourquoi racheter était dur en restant avec le message. Mumia kaijayo mutaelewa kwa nini racheter alikuwa nguvu nguvu mukubakia paka na ujumbe. Parce que la génération qui nous a précédé. Kwani ile kizazi ilitutangulia shee nous a laissé des grands problèmes. Ilituachia matatizo mingi. Des grandes difficultés. Magumu mingi. Parmi ces papas de la première génération, kati ya wale wa baba wa ile kizazi ya kwanza, il y en a qui ont bien commencé leur ministère avec la parole. Kuko bale bale anzaka mzuri kabisa huduma yabo na neno. Et il y en a qui n'ont presque rien fait. Kuko na bale hawakufanye kitu. Et après un moment, na kisha wakati moja hivi, nous nous trouvons dans un dilemme où c'est difficile de voir ces anciens là rester. Avec les choses qu'ils nous ont apportées. Tunadikutanisha mtatizo moya na wale wazee wanashindwa kubakia na bintu bile bope nyewe baritubiri. Et nous nous sommes la continuité de la deuxième génération. Na sisi ni ufululizo ya ile kizazi ya pili. Voilà pourquoi je suis dur. Ni kwa maana niko nguvu nguvu. Pour essayer de préparer. Kwa ajili ya kujaribu kutayarisha. J'ai prêché à 12 ans. Il y a aujourd'hui les cheveux blancs. Nilihubiri niko na miaka 12. Leo tumaimvu tulishaanza toka. C'est-à-dire je pars aussi. Maana yake na mimi niko naenda. Je vais faire de sorte que je sois assuré. Mimi napenda kufanya mnamo na kusema niko na hakikisho que dans la troisième génération. Ya kusema mwiki kizazi kia tatu. Il y aura quelques jeunes. Mutakuwa babiana chache. Qui vont garder le caractère de la parole. Bale batachunga tabia ya neno. C'est pourquoi vous me voyez parfois difficile quand un vieux commet, je dois frapper ça dur. Ni kwa maana mnanionaka nguvu nguvu kama mzee anafanya kakosa kaloko na popolaka. Ce n'est pas à cause de lui. Aiko kwa ajili yake. Je regarde Niko la répercussion. Mukule kurudiriria. Regarde ce que le monde est devenu aujourd'hui dans le message. Mwangalieni kile ulimwengu inakuwa leo mujumbe. N'importe quoi avec la troisième génération. Aizuru nini na kizazi ya tatu. Les uns. Bamoya. Il ne faut pas parler de Branham à l'église. Aipashe kutaya Branham mukanisa. Il faut citer Jésus. Inapasha kumutaya paka Yesu. Déjà là, c'est 0 sur 50. Pale tayari ni sifuru pamsini. Parce que même un enfant de l'école de dimanche doit savoir que à l'âge d'Éphèse, pour prêcher le message, il fallait dire ce que Paul a dit. Kwani hata mtoto wa darasa siku ya Mungu anajua sema kizazi ya Efeso jua kubiri ujumbe ilipasha kusema kile Paulo alisema. Qu'est-ce qui les a hantés? Ni nini inabafuata? La popularité. Nikavumu. L'argent. Pesa. Vouloir plaire à tout le monde. Kupenda kufurahisha bantu bote. Si moi je voulais ça, je ne serais même pas en Afrique. Kama mie nilikuwa napenda bia vile, nikupasha kuwa hata mu Afrika. J'ai rencontré des opportunités plus que ce que vous appelez opportunité. Nilipatana na mabahati kubwa ile moyo Mungu naita bahati ya kushindia ile moyo naita bahati. Mais Dieu a placé en moi le caractère divin. Kwa lakini Mungu alitia ndani mwangu ile tabia ya kimungu. Le message. Ujumbe. Même si vos amis de la troisième génération commencent à quitter le message petit à petit. Atakama barafiki yenu bakizazi ya tatu bananza kutoka mujumbe pole pole. Vous gardez le message. Mweye muchunge hii ujumbe. Je partirai en paix. Taenda katika salama. De savoir qu'il y a des jeunes gens. Mukujua sema kuko babiana. Qui ont tenu les choses. Bale bali chunga bintu. Parfois ça fait pleurer. Wakati ingine binaniririshaka. De voir quelqu'un qui rejette le message à cause de biens matériels. Kuona mutu lana katala ujumbe kwa ajili ya bitu vya kimwili. À cause de camaraderie. Kwa ajili ya burafiki. Tu es témoin de ton âme.
Uko mshuda wa nafsi yako. Rachete aura beau crier. Rachete anaweza kuomba sana. Il a tout montré. Anaonesha biote. Il a tout donné. Alileta biote. Tu es toi-même responsable de ton âme. Uko na madaraka ya nafsi yako. Une citation pareille. Andiko ya hivi. Okoka kolango ndenge nini? Utaichipisha je. Quelqu'un dira, non, vous voyez, déjà il est arrivé là. Mutu atasema, shumunona, pala nafikia pale. Kunaisha. Si adore Branham. Mweye mutabudu paka Branham. Non. Apana. Je ne l'ai même jamais adoré dans ma chambre. Shia mwabuduaka, ata mchumba yangu ya kularia. Shia mwabuduaka Branham. Je connais Jésus. Yesu na muyua muzuri. C'est le Dieu de Branham. Yesu njo Mungu wa Branham. Simplement, je te dis. Kwa lakini mina kueleze asema. La rédemption, c'est un grand livre. Ukombozi ni kitabu kinene. Les prédicateurs essayent. Baubiri beko najaribu. Mais ils ne pénètrent pas la rédemption. Kwa lakini abengi yake katika ukombozi. Branham sauveur. Branham mokozi. Branham dit, Branham anasema, j'essaye de vous sauver. Niko na jaribu kumiokoa. Il y avait des âmes accablées. Ils étaient en train de pleurer. Balikuwa wenye kufungiwa beko na ria. Il y avait des grandes chaînes. Kulikuwaka minyololo kubwa. C'était dans l'abîme. Ilikuwaka ni katika kilindi. Ils ont vu frère Branham. Bari muona nduku Branham. Ils ont commencé à crier. Bari anza kulalamika. Frère Branham! Ndoko Branham! Délivre-nous! Utukomboe! Frère Branham! Ndoko Branham! Délivre-nous! Utukomboe! Attends qu'il m'aime Branham à Yipou. Savi le monto, Branham a risqué na boka. Il dit non, non. Asema, ça c'est le travail de Jésus. I kazi ya kukomboa, ni kazi ya Yesu. Au même moment, mwakati mwamwa ile, la figure sula de l'homme de Galilée, ya uyu mutu wa kugalilea, lui est apparu. Ina mutokelea. Il lui dit, anamwelezea, William Branham. William Branham. Va faire ça. Wendo kafanya bile banasema. Délivre ces gens. Kombo abale bantu. Jésus. Yesu. N'est pas jaloux de Branham. Akalake na bwivu ya Branham. Apana. Va le délivrer. Wendo kaba kombo. Et Branham est venu. Na Branham alikuya. Vous toutes les chaînes de l'abîme. Nini wote minyololo ya mwadeza. Lâchez ces gens. Mwacha o watu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Frère Bordé. Ndugu Bordé. Tu es où? Uko api? Viens ici. Kuya uku. Dieu. Mungu. Est en train de délivrer les gens. Eko na kombo wa watu. Qui va dire alléluia? Sema alléluia. Dieu. Mungu. Pour te délivrer. Kwa ajili ya kukukomboa. Il faut ton frère. Inapasha paka ndoko yako. Il faut un homme. Inapasha paka monto. Aminawe. Aminawe. Bon, ça va. Je vais aller terminer. Mzuri. Citation yo. Andiko hii. Tokozonge laka. Tutairudiririaka. Oyo. Hii. Hii. Sala. On va les chauffer, réchauffer. Tunaiwakisha tena. Ça. Hii. Branham dit si quelqu'un est incrédule, donnez-lui sa brute. Branham asema kama muntu ashipende kuamini, umupe yo mubichi. Si il va fuir le message qu'il fout. Kama takimbia ujumbe, akimbia ake basi. Ki s'en aille. Ah, ende, ende. Les attributs. Il est ma fille, voilà ma case. À moi. Ndani yangu. Il se déploie. Ikona di panua. Kon. Paka vile. En Jésus. Il kuwaka ndani ya Yesu. Et c'est ça le message. Na injo ujumbe. C'est ça que tu entends que le message a atteint son point.
culmine. Cantontorio. Oui, oui. Et toi, tu fais comment pour interpréter ça très bien comme ça? Soyez cachés dans le sang de l'agneau. Amen. Adamu ya mwana kondo. Amen. Bon. Basse. Parole parlée, la semence originale, je vais vous démontrer que Ève n'a pas eu cet enfant-là quand on les a dit multipliés. Neno lio neno ambeko ya usai intamionesha peupe ya kwamba Eva kuzalaka ule mtoto ule wakati balisema badizidishe. Et on va partir. Na tutaenda. 161. Mia stina moja. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Wana wote wa Mungu wanapasha kuwa pamoja. Ah, quelqu'un dit amen à ça? Unasema mimi nakuile? Ah. Mm. Totia kama Mungu amuke. Tuongeze ko tunchumvi tuloko. Là à l'extérieur. Kule nje. Je suis professeur à l'université. Niko mwalimu mkuu ku university. Je suis commissaire d'état. Niko commissaire wa serikali. Je suis grand homme d'affaires. Niko mfanya biashara kubwa. C'est moi le garde-corps, je ne sais pas moi de qui. Ni mie mlinzi mkubwa sijui wa nani. Tout ça c'est dehors, hein. Biote bile ni kule inje. Quand vous venez ici. Wakati unaingia humu ndani. Tous les fils de Dieu sont pareils. Batoto ya Mungu bote beko kipimo hiki kimoe. Je vais attendre un amen. Sema amina. Pour El Rash Wantumba, il n'y a pas de brebis spécial. Kwa jili ya El Rash Wantumba, hakuna nkondolo ule anapitia mwinjake. Vous entrez ici, vous êtes brebis. Unaingia hapa, uko nkondolo kunaishia pale. Tu abandonnes l'assemblée parce que tu as connu une faiblesse dans la vie. Unaacha maskani kwani ulipata kabuzaifu maisha. Peut-être tu es tombé avec une femme. Sangine ulianguka na mwanamke. Peut-être c'est l'argent d'autrui. Sangine ni pesa ya batu ulichukua. Une chose ou une autre. Kitu kimoja wala kingine. Ça t'a affaibli. Kinakupozesha kinakufadhaisha. À moins que je ne le sache pas. Sangine sijue. Si je le sais. Kama nilijua. Je ne serai jamais fatigué de te suivre dans ta maison jusqu'à te ramener. Si ta choka kukufuata munyumba yako paka na pale ntakurudisha. Connaissez votre pasteur. Mumujue mzuri mchungaji wenu. Je viendrai. Takufuata. S'il faut que je reste là à l'extérieur parce que tu commences à me fuir, même à une heure tu vas me trouver. Kama na pasha nibakie pale nje nju naanza kunikimbia. Hata mu une heure pale utaruria utanikutanisha. Mais kwa lakini tu quittes l'assemblée. Unatoka maskani parce que ce qu'on prêche tu n'es pas d'accord. Kwani iba na ubiri hapa au kubali au ichike. Je ne viendrai pas. Sita kwa kukutafuta. Je ne viendrai pas. Sita kuya kukutafuta. Parce que tu es déjà parti. Nju ulisha enda. Si tu étais sage, kama ulikuwa mwenye hekima, tu viendrais me voir. Ulipasha kwa kuniona. Pasteur, parlons un peu. Mchungaji, tuzungumuze kwanza pa imambo hii. La citation là des attributs de Dieu. Hii andiko ile inasema makazi ya Mungu ndani ya Branham. Moi je n'ai pas compris ça comme ça. Mimi sielewe muvile wewe unaifasilia. Ah, parlons, toi tu as compris. Tuzungumuze, wewe unafasilia unasikiaje? Mimi na hivi. Voilà. Njo tazama. Et vous ne me direz pas que Richard n'avait jamais prêché ça. Na auta nyeleze ata kiloko asema Richard ashukubirake bibintu. Les consignes, les principes. Il est ma kanuni. Tu ne me diras pas que Gédéon n'a jamais dit ça. Auta nyeleze asema Gédéon akubiri ma kanuni. C'est toi qui es têtu. Ni wewe njoko kichwa nguvu.
Et pour quelqu'un qui est têtu, son remède, c'est la têtutesse. Nanju ya muntu wolo na kichwa maibwe. Dawa ya kumutunza ni peka kichwa maibwe kingine. Quelqu'un rétrograde. Muto na pungukiwa. Je viendrai bien aimé. Mita kuya mpendwa. Rudia. Entrez. Rudia. Il n'a pas touché les gloires. Ashiguse ma utukufu. Il n'a pas touché au message. Akuguse kujumbe. Toye bana bien. Antuyuane muzuri. Je veux dire, mais le pasteur, lui, ne suit pas les gens. Quelqu'un qui dit déjà qu'il ne croit pas ce que j'ai prêché, je vais le suivre pour lui dire quoi. Mutu ule kumwanzo asha kusema ashamini bile niko na ubiri. Tamufuata ni moneshe binini tena. Parce que déjà au départ, il ne croit pas. Yetangia kumwanzo ashamini. Mais quelqu'un qui croit. Mutu ule kuna amini. Mais il a une petite faiblesse. Lakini eko na buzaifu. Ata koti kasho na kulandaye. Ata kama bana mwingisha mukasho bana mubambia pesa ya batamufuata ndio umsaidia kumtosha. C'est une brebis. Ni nkondolo ule. Branham dit on ne blague pas avec la confiance. Branham sema tumaini abachezake nayo. C'est Branham qui a dit tu n'as plus confiance à ton pasteur par. Ni Branham ndio alisema kama umutumanie mchungaji wako toka wende. Moi je connais bien cette citation. Mie najua mzuri ile andiko. Je vais suivre quelqu'un comme ça pourquoi? Tafuata ile mtu wa vile bashaka mwosha toka ende nitamfuatia tena nini? Mais le problème quand tu pars soyez gentil. Lakini pale unaenda kuwako mpendelezi. Si poli, merci. Tena kuwa wa heshima, asante. Parce que la fraternité doit être gardée. Jubunduku unapasha kubakia kopaka. On se rencontre, bonjour frère. Tunakutanishana njambo nduku. Ah, Dieu te bénisse. Mungu akubariki nduku. Il peut même m'appeler comme serviteur de Dieu. Anazata kuniita mtumishi wa Mungu. Mais pour moi j'ai un problème comme ça, je veux prier. Niombe niko na mambo fulani nitamuombea. Mais seulement pour m'écouter, il n'a plus confiance. Lakini kwa ajili tu ya kunisikiliza ashinitumainie tena. Quand tu commences à ouvrir grandement ta bouche, pour essayer de diminuer cette confiance aussi à d'autres personnes, sachez bien qui est l'homme. Jua mzuri muntu ni nani. Même si moi je ne dis rien contre toi. Ataka mami esiseme kitu ya kukupinga. Mais le Dieu là. Kwa lakini ule Mungu. Qui m'a placé ici. Mwenye alinieka hapa. Tu vas le rencontrer. Utakutanishana naye. Même si ça traîne. Ataka mami nakawa. Tu vas le rencontrer. Utakutanishana naye. Il faut suivre les principes du message. Inapasha kufuata makanuni ya ujumbe. Changer les églises n'est pas synonyme de couper la communion ou manquer le respect. Kubadilisha kanisa haifie kusema kukata kinduku wala kukosa heshima. Il faut faire preuve de la maturité du message. Ina pasha kwa na kikisho kusema ulisha kukomea mujumbe. Les attributs. Makazi. Ça se déploie. Iko na dipanua. Comme. Paka vile. Si tu veux montrer qui tu es, tes grades et tout ça, c'est à l'extérieur. Kama nafika kuonesha wewe uko nani, macheo yako, mampete yako, uende kaoneshe kule nje. J'ai un croyant ici, le général, il entre d'ailleurs en tenue civile. Apa niko na mwaminifu ni général des étoiles. Anaingia kala yake mu tenue civile. Tu le connaîtras même pas. Auta muyua ata kumuyua. Il dit aussi amen. Na yeye anasema hapa amen, amen, amen. Quand il faut chanter, il chante aussi. Kama anapasha kuimba, na yeye anaimba hapa anapika mikono anacheza na kucheza. Même quand l'onction fait longtemps. Ata wakati upako inakawa. Il ne va pas partir. Auta mona sema unakawa bia kubiri mina toka minenda. Il attend que la prédication finisse. Atongoja maubiri naisha na kuisha. Ça c'est quelqu'un qui est sauvé. Uinjo muntu ule arisha okolewa. Il sait que mes grades, mes fonctions c'est là-bas. Anajua sema macheo yangu, mampeto yangu ni kule kubiro yangu. Mais ici, apa, je suis devant Dieu. Niko mbele ya Mungu. Soyez humble. Kwa mnyenyekevu.
Tu n'as rien pour t'enorgueillir. Auna na kitu njo ufanye kiburi. Soyez humble. Urishushe, urishushe. Respectez Dieu et ses choses. Eshimia Mungu na bintu biake. Il y a des interdits. Kuko bitu enye basha kukataza bijila biku wako. Ne touchez pas. Usiguse. Je ne le dis pas pour moi-même. Hein? C'est pour tous les serviteurs. Mais quoi dire batumishi bote babungu. Quand tu es devant un serviteur, fais attention. Ukumbela mtumishi wa Mungu ke bange. Tous les fils de Dieu sont pareils. Amen. Batoto wa Mungu bote be okipimo hiki kimoya. Oui, oui. Ndio ndio. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène. Kuzalika na neno tena na roho inaturudisha. À la parole parlée de nouveau. Kuile neno iliyo nenwa mali ingine tena. Ah, il y a plus de temps. Oh, atuma tena wakati. Naître de l'eau et de l'esprit. Kuzalika na maji pia na roho. Qu'est-ce que cela pour conséquence? Ile inakuwa na kinyume gani? Cela nous ramène directement. Ile inaturudisha moja kwa moja. À la position. Kumsimamo. Que vous auriez dû occuper au commencement. Ile ulipashaka kupata kule mwanjo. Vous voyez? Unaona? Voilà la raison de la mort de Christ. Ile ndio sababu ya ile lufu ya Kristo. C'est ce qui nous ramène directement. Nile naturudisha moja kwa moja. Kwa? Nini? À être des fils de Dieu. Tuwe wana wa Mungu. Si Eve avait produit cet enfant, kama Eva alizalaka ule mtoto, elle aurait fini par le produire. Alipasha kufikia mkumzala. Dieu ne lui avait-il pas dit multiplier, remplissez la terre? Si Mungu alimwelezeaka mudididishe na mujaze budongo. Mais kwa lakini, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller là-bas faire la prostituée. Eva akujizuiza kwenda kule kufanya msharati. Bon, vous me direz. Basi mtanye. C'est direct ça, frère Branham. Iki ni kianguvu ndugu Branham. Mais attendez encore un peu. Lakini subiri tena kidogo. On va y arriver tout à l'heure. Tutafikia hapo sasa. Vous dites non, c'est impensable. Nasema ila tuwezi kuiwazia kufikiri. On va bien voir si c'est ce que la parole dit. Tutaona mzuri kama ni ile neno nasema. Si oui ou non. Kama ndio wala hapana. Alors, si c'est oui, c'est vrai. Basi kama ni ndio ni kweli. Ce n'est pas caché. Haiko ya kufuchama. C'est caché à ceux qui sont perdus. Ndiko ya kufuchama kwa bale barisha potea. C'est vrai. Nkweli. Donc, basi. C'est ce qui vous ramène directement. Ni ile na mirudisha moja kwa moja. À la parole est parlée. Kuneno iliyo nenwa. Nous sommes twiko. La parole de Dieu manifestée. Neno ya Mungu iliyoonekana. Vous voyez? Unaona? Jésus a dit la même chose. Yesu alisema ile mambo moya moya. Celui qui croit en moi. Ule ananiamini. Les choses que je fais. Bintu bintu nafanya. Pourquoi je suis venu? Joani nilikuya. Et le but que j'accomplis. Na kifukuzio kinene natimiza. De ramener l'homme. Nikupeleka mtu. À croire à la parole de Dieu. Amini ile neno ya Mungu. Et n'accepter rien d'autre que elle. Na sikubali kitu kingine sipokuwa tu neno ya Mungu. Celui-là fera aussi les œuvres que je fais. Ule pia atafanya matendo. Pourquoi ne se font-elles pas aujourd'hui? Ce sont des enfants bâtards. Les hybrides. Les métissés. C'est un mulet. Il ne sait pas ce qu'il croit. Un mulet. Nyumbu ne sait pas qui est son papa. Ajue baba yake ni nani. Qui est sa mama. Ajue mama yake ni nani. Il n'a pas de prédigré. Ana na uzao. Il ne vaut rien. Ana na mana. Il est une créature illégitime. Eko kiumbe kiaramu. C'est pareil pour toute personne qui prétend croire Dieu. Mais il ne croit pas sa parole. Alors nous remarquons. Basi, vous voyez? Naona? La parole est parlée. Neno ilio nenwa. Alors nous sommes la parole de Dieu. Basi, sini neno ya Mungu manifesté. Ilionekana. C'est ce que Dieu veut de son église. Ni ile Mungu anapenda kwa ajili ya kanisa lake. Il veut se manifester. Anapenda kudionekanisha. Comment peut-il se manifester? Namna gani anaweza kudionekanisha? Sans que sa semence à lui soit dans la personne. Bila mbeko yake yeye Mungu ikwe ndani ya ule mtu. Eve n'a pas produit cet enfant. Eva akuzalaka ule mtoto. À cause de la prostitution. Kwa ajili ya busharati. Elle n'a pas attendu le temps. Akusubiri wakati. Pour Dieu,
kwa ajili ya Mungu. La naissance de Jésus. Kuzalika kwa Yesu. C'est la correction. Ni kusaisha wala kunyolosha. De ce qui s'est passé en Eden. Makosa ile ilipitikanaka mu Edeni. L'enfant devait venir par la parole parler. Ule mtoto alipasha kumuzala kupitia neno iliyo neno. Comme Gabriel a parlé à Marie. Paka vile Gabriel alisema kwa Maria. Et Marie a dit amen. Na Maria alisema amina. La grossesse a commencé. Na mimba inaanza. C'est comme ça qu'Adam pouvait avoir ses enfants. Vile Adam aliwezaka kwanza kuzala batoto yake. Et ce serait des enfants parole. Na bale batoto balipasha kwa batoto neno. La parole parle. Neno iliyo neno. Mais la prostitution voilà, avec les serpents. Busharati na nyoka a produit Caïn. Jo buri muzala Kaina. C'est impensable. Amwezi kuiwazia. Mais c'est la vérité. Kwa lakini ni ukweli. Parce que la Bible dit dans Genèse, Dieu Bible n'a seulement kitabu kya mwanzo, le serpent parlait comme un homme. Nyoka alikuwa anasema paka vile mtu anasemaka. Donc ce n'est pas le serpent que vous voyez aujourd'hui. Manake aina huyu nyoka utambala huyu unaona leo. Il a causé avec la femme. Ule nyoka alikuwa anasumburia na mwanamke, alikuwa anampika mwanamke ritoni. Il a parlé sur le sexe. Alisema kuhusu ngono. Le fruit du milieu de l'arbre. Tunda ya katikati ya shamba. Il était clair. Alikuwa wazi kabisa. Et Eva a accepté. Na Eva alikubali ile mambo. C'est la punition. Ni malipizi. Qui a amené le serpent à ramper. Njo inamufikisha leo nyoka ananja kutambala. Mais il était debout. Lakini alikuwa kama akushimama tu hivi, akushimama hivi. Entre l'homme et le chimpanzé. Daire alikuwa kati ya nyoka, le chimpanzé et l'homme. Kati ya mbutu na makaka. Il y a un chaînon manquant. Peko kitu mwa kinakosa pale. C'est cette créature là géant. Ni kile kiumbe kikasongo. Champion. Kibingwa. De méthode de la vie. Mwenye kujua manamna ya maisha. Kaya ene. Kaina arizarika. La femme a montré ça à son mari. Mwanamke anabebe le mambo anaenda kuonyesha bwana yake. Abel ene. Abel na yeye anadharika. Set na yeye anadharika. Na inaendelea paka vile. L'image de Dieu. Ile picha ya Mungu a disparu. Inapotea. Maintenant. Sasa. Naître de la parole. Kuzalika na neno. Et de l'esprit. Na roho. Nous ramène de nouveau à la parole et parle. Inaturudisha malengine kuneno liyo nenwa. Merci pour Malachie 4. Asante kwa ajili ya Malakia ine. Et quand vous venez à l'église, na wakati unakuwa kanisani, vous recevez parole. Ukuna pokea neno. Vous recevez l'esprit. Ukuna pokea roho. Parce que c'est le royaume de Melchisedek. Jinu yufalme ya Melchisedek. Où il y a le pain et le vin. Mule mkomkate na divai. La parole et l'onction. Neno na upako. Cela amène les gens directement. Ile napeleka watu moja kwa moja. À la parole parlée. Uneno ilio nenoa. C'est-à-dire ce message. Manake hii ujumbe. T'a déjà restauré. Irisha kukurudisha. Commencement. Kule mwanjo. Tu es déjà cet homme là. Ulisha kuya ule mutu ule. Dis à ta sœur, dis à ton frère. Je suis déjà cet homme là. Tayari nilisha kuwa ule mutu ule. Je peux parler. Minta sema. Et les choses vont na arriver. Na bintu bitatimirika. Il y a un pouvoir. Kuko uwezo. Dans la parole. Katikaleno iliyo neno. Parce que les cieux et la terre. Mbingu na dunia. Sont venus. Wakati bilikuya. Sont venus. Bilikuya. La parole parlée. Kuneno ilio nenoa. Tu es la parole parlée. Wewe uko neno lio nenoa. Tu peux aussi prononcer la na parole. Na wewe unaweza kusema neno. Ce matin tu vas prononcer. Yes, buya leo utasema neno. Toi tu vas prononcer. Wewe njoo utasema neno. Pour toi. Utasema kwa ajili yako. Peut-être pour tes enfants. Sangine kwa ajili ya watoto yako. Peut-être pour la famille. Sangine kwa ajili ya familia yako. Ça dépend de la dimension de prononcer. Inalombesha tu cheo ya wewe kusema. Certaines choses. Bintu bingine. Tu peux les expérimenter. Unaweza kubionja hapa. La manière dont tu as laissé à la maison. Namna ilo je parle de aujourd'hui. Niku nasema mambo ya hapa sasa leo. Tu prononces. Unasema neno. Et comme je rentre à la maison. Hapa niku narudia kumulango. Les choses doivent être comme bintu ça. Bintu nibikute comme hivi, comme hivi, 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 hivi. Alléluia. Alléluia.
naître de la parole. Kuzali kana neno. Naître de l'esprit. Kuzali kana ro. Nous ramène directement. Inaturudisha moja kwa moja. À la parole parlée de nouveau. Neno ilio nenwa malengine tena. Vous savez? Najua. Vendredi. Kazitano. Je vous ai lu le prophète. Nilimisome anabi. Il dit. Anasema. Jésus a déjà payé le prix. Yesu arishaka ripa bei. La rédemption. Ukombozi. A même déjà été effectué. Balishaka na bashaka ifanya zamani. Même avec l'homme. Mambo na muntu. C'est la prise de conscience. Ni kuchukua tu zamiri. Je veux que ce matin tu reprennes conscience. Mina penda subia leo chukue zamiri. Tu sais que l'homme c'est un créateur. Unajua kasima muntu ni mumbaji. On a lu ça vendredi. Chitulisoma kazi tano hapa. Parce que être image de Dieu, c'est être tout ce qui était Dieu. Kuwa kwa picha ya Mungu ni kuwa byote bile Mungu eko. C'est ça même les attributs. Njoo yenye makazi wala masifa. L'homme était créateur. Muntu alikuwaka mumbaji. Tu es là. Vi hivi kwa hapa. Tu peux créer. Na wewe unaweza kuumba. Tu peux faire. Unaweza kufanya. Des choses qui sont là, bintu bile bikuapa, comme si ça n'existe pas. Ça tout abikala keko. Tu dis, j'oublie ça, ça n'existe pas. Nasema ibi na bisabu abina kote na kunaishi. C'est pas un problème. Ah, abina ako. Et tu peux faire aussi que ça soit problème. Na unaweza kufanya bikuete na mambo. C'est pouvoir là dans l'homme. Il est uwezo ko ndani ya mtu. L'homme. Muntu. Peut mépriser une situation, il fait de cela non événement. Anaweza kuzarau mambo, anafanya ile mambo sa ina ako, sa sijue. Anaisula. Créateur. Tu uko mumbaji. Tout comme tu peux te souffrir, tu appelles street. Au il faut hyper. Unaweza kuriteswa, unaripatisha magonjwa ya estomac, gastrite, hyper. Hypotension, ça je ne laisserai pas. Je fais de ça un problème. Et Branham dit, la personne à souffrir, c'est toi. L'homme qui t'a fait, lui, ne souffre de rien. C'est toi qui le cœur gonfle. Lui là il dort. Mais toi tu te cailles des problèmes. Alors je parle à chacun. Tous les problèmes qui vous souffrent les cœurs, faites de cela non événement. Mambo yote ile kunakumisha moyo. Fwasa to ikalake ko. Tu es créateur. Uko muumbaji. C'est de la même manière que Njo paka vile. Tu peux dire que la tête fait mal, mais ce n'est pas ma maladie, je ne l'ai pas. Unaweza kusema kichwa kiko na kuuma unasema hii haina magonjwa yangu. Shina na hii magonjwa. La tête fait mal. Kichwa kiko na kuba. Mais tu dis je sais pas ma maladie, je ne sais pas. Hii haina magonjwa yangu. Je ne suis pas malade. Shina mugonjwa. Je t'assure tu ne prendras même pas un comprimé. Na kuhakikishia hautakunywa hata kinini kimoya. Non! Hapana. Je t'enseigne qui est l'homme. Niko na kufundisha mtu ni nani. Les possibilités. Il a ma ouezaji. Qui se trouve dans l'homme. Il y a patikana ndani ya mtu. Je suis pas malade. Shina mugonjo. Pourtant le cœur fait très mal. Il est wakati moyo kuna kuuma. Avoir les prédicateurs après le culte. Sitaenda ta kumuona mhubiri kisha mkutano. Seulement comme je suis là. Paka hivi niko hapa. La parole que j'écoute. Ineno mimi natoka kushikia. Ça suffit. Inaenea. Branham dit. Branham anasema. C'est le manque de foi qui amène les gens à la ligne de prière. Nikukosa kwa imani. Njoo kunapeleka bantu bakuye baba ombe babeke mikono. Comme j'apporte là et la parole et l'esprit. Il y a des opérations qui se font en ce moment même. Il y a environ 10 jours ou 2 semaines. Un frère que je ne connais pas, Omari, il m'a appelé à Salama Salafsi, c'est ma bila comme ça. Hein? Salamabila. Kuko ndugu moja nchi mjua nitaka makusalamabila.
Il est en train de commencer une église. Il dit, pasteur, j'écoute tes prédications. Je vois ce que Dieu fait. Mon fils vient de tomber de la folie. Je préparais l'envoyer étudier. Il est fou, il dit, il est devenu complètement. Si tu peux dire un mot. Kama tu mchungaji unaweza kusema tena neno hii moya. Je dis bon, qu'il soit guéri. Nikasema basi. Apone. J'ai pas prié moi. Sikuombe lwangu. Je dis qu'il soit guéri. Nikasema apone. Comme tu me crois. Vile tu uneniamini. Qu'il soit guéri. Apone. Est-ce que tu as la photo de l'ange à la maison? Eti, uko na ile picha ya malaika wa Bwana kunyumba yako kule. Ndio ile sayela. Ndio niko nayo. Je dis soulève sa tête. Ngasema nyangula kichwa yake. Mets la photo. Beba ile picha weke chini ya kichwa yake. Quand vous allez le piquer pour dormir. Wakati muta lui piquer pour dormir. Mutamtuanga shindano njoo alale. Il dit non, on vient de le piquer, il dort maintenant. Tunatoka mutuanga shindano hapa penye tunasema insha Allah. Je dis alors prends la photo mais quand vile beba mala mwa picha weka nyuma ya kichwa yake. Je t'ai donné la clé. Mimi nakupatia fungulo. Le soir les frères Omar y appellent. Mangaribi ule nduku ananiita tena. Il dit pasteur, qu'est-ce que tu as fait? Aya mchungaji, ulifanya mambo kani? J'ai déjà fait quoi? D'ailleurs, je suis loin, je vais dormir là-bas. Mbele shiniko mbali na kule. Il dit mais l'enfant est guéri. Asi mtoto anapona. J'ai dit c'est vrai, il dit il cause maintenant avec ses amis. Ni bien kweli. Asema hapa tuko nasema. Eko na sumburia na barafiki yake, beko na cheka. Et hier soir, il m'a appelé. Na jana mangaribi. Il dit, pasteur, l'enfant est guéri. Asa mchungaji, mtoto, anapona mubia kweri. Seulement quelquefois, il perd un peu connaissance. Lakini kwa wakati tu kadogo napoteza akili. J'ai dit, continue à croire. Endelesha na kuamini. Il est guéri. Arisha pona. Ces petites pertes-là, c'est pour t'effrayer. Il est kupoteza akili kiloko, nijua kutetemesha. Mais la folie est partie, c'est parti. Lakini majibu ishakwenda, sema ishaenda. Je suis venu te dire que je ne suis pas spécial, toi tu peux faire ça. Mina kwa kukueleza sema mie shina wa kipekee, wewe unaweza kufanya bintu bia hivi. Je suis en train de faire une transmission de la foi. Niko na kuambukizia imani. Frère Branham un jour a transmis par le doigt. Avec le doigt comme ça. Na kilole tu hivi. C'est allé appeler le numéro de la personne qui était malade. Ikaenda kuita namba ya ule mtu alikuwa mgonjwa. Et il était rétabli. Na aripona. Les choses que vous mangez. Bintu bile muna kula. C'est la solution à tous les problèmes. Ni suluhisho ku mambo yote. Je te place dans la dimension. Mikuna kutia mwile cheo. De savoir qui suis-je. Ya kujua mie niko nani. Devant un problème, pose-toi la question. Mbele ya mambo. Qui suis-je? Ujiulize niko nani. Et prononcez la parole. Nasema neno. Ne tremblez pas. Ushitetemeke. Attendez la solution. Subiri suluhisho. Est-ce que quelqu'un dit alléluia? Sema alléluia. Bon. Je pars finir. Mikunaenda kumaliza. Parole parlée, prêchée le soir, paragraphe 54. Neno lio nenwa ilio birua mangaribi kifungu yake 54. Ne soyez surtout pas un mulet. Hein? Ushikwe zaidi. Mulet. Mpongolo wala nyumbu. La foi de la prostitution. Imani ya bundumba. Un jour je prêcherai sur la religion du mulet. Shikumwanta ubiri kuhusu dini ya mpongolo. Une femme prostituée comme Eve. Mwanamke ndumba paka sa Eva. Qui peut aller chez les serpents. Bula naweza kwenda kwa nyoka. Branham dit c'est comme ça qu'il y a des chrétiens, des enfants mille. Ndio vile Branham asema kuko ba Kristo ba toto pongolo. Les enfants bâtards. Ba toto ya ramu. Une fois prostituée. Imani musharati. Jodi il est là. Leo kwa hapo. Demain il est là. Kesho ko kule. Siku ingine ko tena kule. Tu cherches quoi? Uko natafuta nini?
Je suis en train d'enseigner dans les agapés sur l'église famille. Nikuna fundisha magape kanisa familia. Je dis chaque famille a ses petits problèmes. Nikuna sema kila familia inakaka tuma mambo yabo. Mais vous n'allez pas quitter la famille à cause de ça. Au tasema nju mu familia yetu natoka imambo, mimi natoka mu familia. Tu vas rester. Utabaki apaka mu familia mule. Vous allez lutter. Mutakombana. Et vous allez avoir la solution. Mutaisha ile mambo mnapata solution. La seule raison qu'on quitte une église c'est quand une église rejette les messages. Sababu moya ile bala tokiaka mu kanisa ni wakati ile kanisa inakatala ujumbe. C'est tout. Njopo le utatoka. Mais des petits problèmes Branham. Lakini mambo mu kanisa Branham asema baki apaka pale. Traiter. Mumalize ile mambo. Prier. Mombe. Chacun a sa famille. Kila mmoja akona familia yake. Même là où vous allez diambiler là, ils ont leurs problèmes. Atakule mukunenda kuwaya waya. Na bobe kona mambo yapo. Seulement eux ils sont intelligents que vous. Kwa lakini bo beko na akili kukushindia wewe. Les problèmes de leur famille ne vous disent pas. Mambo ya familia yabo banafuchika abakuelezee. Mais toi? Kwa lakini wewe tu prends les problèmes de votre famille. Unabeba mambo ya familia yako nenda kuzambarisha. Notre père vraiment baba yetu ule. Il est mystique. Eko matata ule. Mais lui ne te parlera pas de son papa. L'église est une famille. Kanisa ni familia. On ne quitte pas parce qu'il y a des problèmes. Abatokake mu kanisa njumu ku mambo. Une église où il y a la parole. Kanisa mule muko neno. S'il y a des problèmes lutte. Kama muko mambo, baki apale mumalize ile mambo. Et vous trouverez la solution. Na mutapata solution ku ile mambo. Mais quelqu'un peut être là un mille. Muto anaweza kuwa pale mpongolo. Avec la religion de mille. Na dini ya mpongolo. Frère, quittons cette église la frère. Unajua ile kanisa ile, unajua nani? Mutoke mwele kanisa ile. Mutoke mo, muna bakiria mo muna tafuta mo nini? Quelqu'un peut être même ici mais il chasse les autres. Muto anaweza kuwa yeye kwa hapa. Yako naisha bengine batoke bende. Mais lui il est là. Lakini yako toka shitoke yako paka hapa. Ah quitte. Ah mutoke. Mutoke na pasha kwenda. Oh moi j'ai déjà quitté là. Ah tu as bien fait. Mie misha kutoka. Ah unafaa mzuri vile unatoka mwele kanisa ile. Mais lui il est là. Kwa lakini yako paka amo. Il faut grandir. Inapasha kukomea. Il faut avoir les discernements. Inapasha kuwa na ufafanuo. Le pasteur. Mchungaji. C'est le canal par lequel Dieu bénit l'église. Ninjia kupitia ile njia Mungu analeta baraka mu kanisa. S'il y a quelque chose à ne pas faire. Kama kuko kitu kile haipashwa ufanye. C'est d'obstruer le canal. Ni kujibiria njia. Tu es là mais tu n'es plus en contact avec le canal. Uko hapa hauna tena mu njia mambatano na njia. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Ni kitu kile haiko kizuri hakina vema. Il faut garder le canal. Inapasha kuchunga ile mufereji wazi. Oh non, bien aimé, je suis venu te voir. Mpendwa mimi nakuwa kukona. Le pasteur. Mchungaji. Ah, ile mambo mchungaji acha. Ça c'est ma bénédiction. Mchungaji ule njo baraka yangu. Laissez-moi. Si tu ne peux pas aller le voir, prier. Kama uwezi kwenda kumuomba, kumuona umuombe. Ou bien je peux t'aider. Ah, mimi naweza kusaidia. Je t'amène chez lui. Nikupeleke kwa mchungaji. Lui dit que le frère a des choses à te dire. Huyu nduku yuko na bintu bya kukuelezea. Il viendra plus. Atakuwa tena. Ah, ça ce sont les petites choses que tu as écoutées depuis que tu es venu au métal. Et utu mabitu tuloko tulorishikiaka tangia pale kwa kujumbe. Mais le vivre seulement c'est ce qui est difficile. Ala kuishi tule tumabitu njoo binakuwa nguvu. Mais ce sont les petites choses. Wakini tule tumabitu tuloko. Qui tiennent les grandes choses. Njoo tunashimamishaka bintu binene binene. Amen. Amina. Un jeune homme me posait certaines questions dernièrement. Kijana mwa kwa ananiuliza maswali chache hapa nyuma nyuma. Il m'a dit certaines choses. Ranyeleza mabitu ingine. Je dis amba. Ngase bya kweli. Il y a des mensonges, des mensonges. Vous êtes ma bongo, na ma bongo, na ma bongo. Que les gens fabriquent et ils se les. Les bantu bana tunga, ils se les propagent. Bana izambarisha uku na kule. Et quelqu'un croit ça comme ça. Na muntu na bebe le bongo na yamini. Lui aussi commence à répondre. Na yana nza kuzambarisha. Par exemple. Kwa mufano. On dit que pendant la campagne électorale.
Banasema mwakati ya kampanye. Papa kwa nafanya kampanye njua ya uchakuzi ya wabunge. Le vice-gouverneur a donné au pasteur $20,000. Ase vice-gouverneur alikuwa hapa anampatia mchungaji $20,000. Et ils ont distribué. Na bakabebe le 20,000 banarika bula. Avec les administrateurs. Na ba administrateur. Toi tu avais aussi ta part, tu es administrateur. Wena oripata, na wewe chukua administrateur. J'ai dit quoi? Nous avons 20,000 dollars. On vous dit que quelqu'un a quitté l'église à cause de ça. Nous avons dit que quelqu'un a quitté l'église à cause de ça. Nous avons dit que tu as un pasteur qui est là. Shukura mchunga jeko pale. Venez. Shukuyo muone. Les mensonges. Bongo butupu. Quand on n'aime pas quelqu'un, on fabrique même les choses. Kama a open de muntu, uko na mutungi abima mambo. Et toi, ayez le courage chrétien de vérifier. Na we kuya na ile makama ya bu Christo kuya ulizisha. C'est pourquoi il y a les agapés, pour que les gens posent toutes sortes de questions. Ni kwa maana kuko maagape, mukuye, mwanze kuuliza maswali yoyote ile mko nayo, muulize. Dieu veut que vous soyez unis. Mungu anapenda mukuye mukimoya, muungane. Et il va faire de grandes choses. Na atafanya bintu bikubwa bikubwa. Ne soyez pas distrait par les choses de Satan. Basimilengeshe kwa bitu bya shetani. Moi je crois en ta bénédiction. Mie mina mini mubaraka yako. Je crois na meaning à un fellowship nouveau. Quoi fellowship mupia? Je crois na meaning que le Dieu de frère Branham, huyu Mungu wa ndugu Branham, va donner une autre image. Ataleta picha ingine. Ça je le crois. Ii mine ya meaning fermement. Na kikisho yote. Et Dieu va le faire. Na Mungu ataifanya. Nous finissons. Tunamaliza. L'épouse d'Adam n'a pas su attendre. Bibi wa Adamu alishindwa kuongojea. Dieu avait dit Adam et Eve multipliez, remplissez la terre. Adam na Eva muzidishe na muyaze budongo. C'était quelque chose qui allait venir. Ni kitu kile kilipashaka kuya. Une promesse. Ni malako. Elle n'était pas encore sa femme. Yeye alikuwa shijakuwa mke wake. Elle n'avait jamais vécu avec elle. Alikuwa bado asijaishi naye. Si Dieu a dit paragraphe 76. Basi kama Mungu alisema kifungua 76. Multiplier. Mudidhidishe. À l'épouse d'Adam. Kwa bibi harusi. Ça. Hii. C'était la commission. Ilikuwaka ni kazi. Donnée par Dieu. Ile Mungu alileta. Elle l'aurait fait. Ya aliwezaka kuifanya. Au moment où Adam allait venir. Lakini wakati Adam alipashaka kuya. Elle était déjà mère. Ye tayari alikuwa shakuwa mama. Elle a produit un enfant bâtard. Alizala mwana ramu. Si cet enfant avait été produit. Kama ule mtoto alimuzala. Comme il se devait. Vile balipashwa kumzala. Il n'y aurait pas eu de mort. Akukupashaka kuwa lufu. Mais elle n'a pas attendu. Lakini ye Eva ashikusubiri. Et cette promesse. Na ile malako. Rester à venir. Ikabakia munjia itakapokuja. Et c'est Jésus na ni Yesu qui était l'accomplissement. Jo alikuwa kule kutimizika de cette parole. Kwa ile neno remplissez la terre. Ye mujaze budongo. Mais Jésus est resté tout seul. Kwa kini Yesu alibakia ye mwenyewe. Cette race là ile uko ile est retourné au ciel. Ikaruria mbinguni. Mais kwa lakini avec la commission na ile kazi au temps de la fin wakati wa mwisho Malachi 4 Malachi 4 nous ramène à la parole anaturudisha kuneno iliyo nenwa. Cette multiplication se fait aujourd'hui. Kule kudizidisha kuko nafanizika leo. Par le moyen de la parole est parlé. Kupitia neno iliyo nenwa. C'est là que Dieu a des enfants à son image. Ndio pale Mungu ana batoto kwa picha yake. Et tu es réellement l'image de Dieu. Na kweli kweli wewe uko ile picha ya Mungu. À partir de maintenant, commencez à dominer sur toutes les choses. Kwanza hapa sasa anja kutawala pa kila kitu. Même au travail, dominer. Hata ku kazi kule wiko tawala. Au marché, dominer. Musoko tawala. À l'université, dominer. Ku university tawala. Dominer sur tout. Tawala pa biote. Parce que Dieu a donné à l'homme la domination. Ju Mungu alipatia mutu kutawala. Même les péchés, tu dois les dominer. Atanzambi, unapasha kuitawala.
dominer sur ce corps. Hein? Parce que toi, tu es la parole parlée. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et tu n'as pas amen à quoi? Dominer. Tawala. Je vais prendre la prière de Frère Branham sur le souffle. Tachukua maombi ya ndugu Branham papumzi. Et Dieu va souffler sur toi. Na Mungu atapumza juu yako. Et on va partir. Na tutaenda. Mais avant tout, kwa lakini kabla ya yote, laisse-moi te donner une note importante. Acha nikupatie kitu moja lazima kabisa. Les visions de William Branham. Maono ya William Branham. 110. Mia na kumi. Branham dit. Branham anasema hivi. Quelque chose s'est alors passé. Basi kuko kitu moja kilipitikana. Je me suis retrouvé en haut au coin. Nikajikutanisha yulu kukona. De la chambre. Ya chumba. Observant mon corps. Mukuona mwili yangu. Se diriger. Ikunenda. Vers le lit. Kukitanda. Et poser les mains. Na ikunatia mikono. Sur la femme. Paule mwanamke. C'était la guérison de la sœur Nai. Ilikuwaka ni uponaji wa dada Nai. Et elle était guérie. Na alipona. Est-ce que vous remarquez cette scène-là? Et si mambo ili, Branham qui est au coin, son corps qui part. Branham, son corps. Eko mukona. Na mwili yake inatoka. Mwili yake inenda. Inenda. Qui est au coin? Sasa, ule anabakia mukona. Ni nanye kwamu? Branham, sous quelle forme? Ni Branham. Sasa anabakia mounansula kani? La? La théophanie. Théophania. Donc, sa théophanie Manake, est restée au coin. Théophania yake anabakia mukona. Dieu a pris son corps. Mungu anabeba mwili yake. Il est parti. Mwili njoo inaenda. Parce que Branham, en ce temps de la fin, a prêté à Dieu son corps. Ndu Branham mwi wakati ya mwisho. Arimukongosha Mungu mwili yake. C'est ça Dieu dans la chair est humain. Ndio ile beko naita Mungu mwili ya muntu. Et lui le vrai Branham. Na yeye ule Branham wa bia kweli. La théophanie. Ye théophania. Et reste là au coin. Anabakia kule kukona. Observant son corps. Mukuangalia mwili yake. Qui partait. Ikunenda. Et le corps de frère Branham à la poussière. Na mwili ya ndugu Branham irudia kumavumbi. Comme à Sodome. Paka saku Sodoma. Le corps que Elohim avait utilisé. Ile mwili Elohim alitumiaka. Et retourné à la poussière. Irudiaka kumavumbi. Quelle est la position de Branham ce matin? Sasa Branham anakuwa mwali gani asubuhi ya leo? Ine Theophania. Eko mwali ya Theophania. Il dit même de l'autre côté, je veillerai sur le message. Asema atapalenta endele ngambo ya kule. Tabakia nikuna kesha pa ujumbe. Dans sa forme théophanie. Ali yake ya kitéophania. Ça dit ce matin. Malaka subu ya leo. Parlant de Dieu dans la chair, ce n'est pas le corps de frère Branham. Mukusemea Mungu mumwili ya mutu aiko mumwili ya nduku Branham. Frère Branham est redevenu la théophanie, l'homme de Genèse 1. Ndugu Branham ashakuwa théophania ule mtu wa mwanzo sura yake ya kwanza. Et ça c'est un coup dur contre les adorateurs de Branham. Na hii ni ngumi ya nguvu kabisa kupinga bale beko na budu Branham. Parce que Dieu habitait le corps. Ndio Mungu alikuwa na keti ni ndani ya mwili. Pas la théophanie. Hapana mu théophania. Et ce matin le corps là n'existe pas. Na hii asubuhi ya leo ile mwili ya ndugu Branham haina kotena. C'est retourné à la poussière. Ilishaka kururia kumavumbi. Quand nous vous soulevons cette gerbe agitée, pale tuku na mipandizia yulu hii malimbuko lio tingizwa, c'est pour publier oh, les œuvres de Dieu dans ce temps de la fin. Ninjua kutangaza yulu matendo ya Mungu mui wakati ya mwisho. Afin d'élever votre foi. Kwa ajili ya kupandiza imani yako. Mais en réalité, avec le septième saut, nous sommes à la fête des tabernacles. Kwa lakini mukweli na mwili wa saba, tuko kuile karamu ya maskani. À la fête des tabernacles, kukaramu ya maskani, chacun adore Dieu sous sa propre tente. Kila mutu eko na budu Mungu mu ema yake.
Aujourd'hui, leo, en réalité, mukweli, chacun, kila muntu, doit adorer, anapasha kuabudu, sous sa propre temps. Muemayake. Tu dois voir la divinité en toi. Unapasha kuwa na bumungu ndani yako. C'est le but du message. Joki fukuzio ya hii ujumbe. C'est pourquoi j'ai enseigné qui est l'homme. Ni kwa maana nilifundisha muntu ni nani. Frère Branham étant la gerbe. Ndugu Branham aliyekuwa malimbuko uliotingizwa. C'est pour élever ta foi. Ni kwa ajili ya kupandiza imani yako. Dieu dans la chair aujourd'hui. Mungu mumwili ya muntu leo. C'est la chair de El Rash. Ni mwili ya El Rash. C'est la chair de l'interprète. Ni mwili ya mtafsiri. C'est ta chair. Ni mwili yako. C'est la chair de la sœur. Ni mwili ya dada. Parce que nous portons le corps. Kwani tuko na mili. Amen. Amen. Hey. Yes, yes, yes. Dio, yes, dio, yes. Dio, dio, dio. Hey. Fiu. Bon. Bas. Levez-vous, je commence à lire les prières. Musimame minanja ko kusoma maombi. Croyez-vous à la prière du juste? Mon ami ni maombi ya huyu mwaki. Les prières de Branham ont de l'effet. Maombi ya Branham iko na matendo kubwa kufika paka na asubuhi ya leo iko na matendo. Si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Kama iko pamoja na shei, mijize yake iko wapi? 191. Il dit oh. Asema, hey, souffle sur nous, Seigneur. Pumza juyetu, Bwana. Qui souffle sur toi? A pumza juu yako. Les jeunes filles, à vos âges. Mimi msijana, mumiaka yenu. Vous êtes très fatigué comme ça. Mulisha choka hivi. Oh my God. Oh. L'autre là est même parti déjà. Huyu mwingine aisha na kulala. Oh la la. Oh my. La Bible dit Dieu souffle. Biblia nasema Mungu alipumza. Dans l'homme. Ndani ya mtu. Branham dit c'est la divinité. Ramasma nibu Mungu. Ce matin tu ne rentres pas comme tu es venu. Asubuhi ya leo hautarudia vile ulikuja hapa. Il y a un souffle. Kuko pumzi moja. Qui doit rentrer en toi. Inapasha kuingia ndani yako. Et tu dois repartir avec. Na unapasha kwenda nayo. Souffle sur nous, Seigneur. Pumza tu es tu Bwana. Cet oxygène de la parole. Avec la puissance de la résurrection. Na uwezo ya ufufuko. Afin que nous puissions rester en vie. Ili tuwakie bazima. Dans ces derniers mauvais jours. Ndani ya hii masiku ya mwisho mbaya. Souffle sur nous. Pumza juu yetu. Oh Saint-Esprit. Eh Roho Mtakatifu. C'est ça frère. Ni nduku. Souffle Seigneur. Pumza Bwana. Remplis-nous de l'oxygène. Utujaze na mpepo. Dans la semaine de discorde, il dit ceci. Mumbekwa utenganisho nasema hivi. Dieu bien-aimé. Mungu mpendwa. Pendant que nous sommes si couverts de ta présence divine. Mwakati tuko hapa tunafunikwa na uwepo wako wa kimungu. En te voyant te mouvoir. Mungu kuone kunazunguluka. Dans l'auditoire. Mumajengo humu. Guéris les malades. Ponesha bagonjwa. Tu es Dieu. Uko Mungu. Je te prie. Mina kuomba. De guérir à tout cet auditoire. Uponeshe kanisa yote mzima. Que le souffle de Dieu il est pumzi ya Mungu descende fraîchement ichuke na ubaridi yote dans leur cœur ndani ya mioyo yabo fais leur savoir bajue ya kwamba que le temps est arrivé à la wakati fin wakati nafika kumwisho. C'est là le problème de l'église, Seigneur. Il est un mambo ya kanisa Bwana. Dieu, Mungu, souffle en elle le souffle de vie. Boum zandani mwabo ele pumuzi ya uzima. Enfin, le filtre d'un homme qui réfléchit. Kumwisho ki kanyungu ya mtu ya ule kuna afikiri. Oh, cache-moi dans les rosiers des âges. Eh, unifiche mumiamba vizazi. Oh, Dieu. Eh, Mungu. Laisse-moi. Uniache. Souffle sur moi. Pumza juu yangu. Seigneur. Bwana. Esprit de Dieu vivant. Roho ya Mungu aliye hai. Souffle sur moi. Pumza juu yangu. Souffle sur mon frère. Pumza juu ya ndugu yangu. Souffle sur ma sœur. Pumza juu ya dada yangu. Souffle. Pumza. Amen. Amen. Ah.
croyez-vous en lui. Amen. Cela va se faire. Amen. Amen. Je te demande de toucher l'endroit où tu étais malade. Na kuomba uguse parfois si ile ulikuwa nasikia hapo magonjwa. Jusqu'à sentir la disparition de la maladie. Paka na pale utashikia kule kupotea kwa magonjwa. Je te dis qu'au nom de Jésus-Christ. Na kuelezea mchina la Yesu Kristo. Branham a prononcé. Branham alitangaza. La guérison de tout l'auditoire. Uponaji ya kanisa mzima. Avec le souffle de Dieu. Na bumzi ya Mungu. Qui circule le bâtiment. Ile kona zunguluka majengo. Amen.
ta position restaurée. Musimemo wako umerudishwa upya. Ta position restaurée. Musimemo wako unarudishwa upya. Te donne la possibilité. Inakupatia fursa. De prononcer la parole pour toi-même. Pour tes enfants. Dis ce que tu veux que soient tes enfants. Parle ce que tu veux que ta femme soit. Dis ce que tu veux que tu sois. Maintenant tu vas parler. Prononcez la parole. L'onction qui est ici, c'est l'onction de la parole parlée. Prononce la parole. Dis quelque chose. Seigneur, nous pouvons rien faire.
wakati mkono wako wanajua mambo yako shida yako Amen Amen Merci les choses. Merci d'avoir soufflé dans mon frère. Merci d'avoir soufflé dans ma sœur. Le Dieu de la Bible, le Dieu de frère Branham, aujourd'hui tu es une réalité. Nous te disons merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au siècle des siècles, merci Seigneur. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as béni. Merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu as délivré. Merci parce que tu as fait des choses. Seigneur, Père, ta présence est encore dans la salle. Touche ma soeur. Touche mon frère. Bénis-le. Essuie les larmes de chaque œil.
Sois la solution dans les problèmes de chaque famille. Va dans les foyers, va dans des couples, dans des ménages, dans des sociétés, dans les affaires, à l'université, au boulot, à l'école, dans des voyages, partout. Le Dieu de Frère Branham, le Dieu de la Bible, tu es réel. Saint-Esprit qui est ici, protège tes enfants. Bénis-les dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Visite-les dans leur travail. Visite-les dans leur foi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Colonne de feu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Seigneur, touche. Seigneur, pardonne. Seigneur, place. Seigneur, élève. Seigneur. Seigneur. Seigneur, descend dans la matrice de cette assemblée. Produis la nouvelle naissance. Produis les enfants paroles parlées. Produit l'image de Dieu dans cette assemblée. C'est ma prière au Dieu. À partir de maintenant, que l'ange soit avec eux. Là où ils vont sortir, partout ils vont, qu'ils puissent dominer. Dans le nom de Jésus-Christ, allez dominer. Dans le nom de Jésus-Christ, allez dominer. Dans le nom de Jésus-Christ, allez dominer. Oh Dieu, nous te disons merci, nous t'acclamons, nous te levons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Oh merci mon Père, merci mon Dieu, merci pour ta présence. Accompagne-nous, que ces choses parlent en nous. Que nous vivons par rapport à ces choses, connaître notre position en Christ, savoir qui est l'homme, qui suis-je. Merci pour toutes ces vérités. Guéris tous les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclamez les rois des rois. Nous sommes à la fin. Pasteur Samuel. Tu me fais quand même chanter, Samuel. Viens quand même saluer l'assemblée.